Alors, on part sur une découverte de This War of Mine, un jeu qui est donc sorti en 2014, hyper connu, que tout le monde m'a conseillé, parce que j'aime bien les jeux, genre 60 secondes et tout, un peu survie, un peu histoire, un peu prenant. Je n'y ai jamais joué du tout, je ne sais pas du tout ce qui se passe. J'ai demandé sur le chat, il y avait à peu près 70% de gens qui n'y avaient jamais joué non plus, qui n'avaient jamais vu. Donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir découvrir à beaucoup. Je suis désolé si je tilt, si je vous fais tilt, pardon, plutôt, parce que ça devrait aller sur le tilt. Survie ou mode histoire? Survivre. Survivre, on va jouer de manière classique, ça se joue à la manette, non? Ça va jouer au clavier. Je vais survivre, moi. Si tu tiens plus de 1 heure sur ta première partie, chapeau. Ah ouais? Ok, je t'aime, merci Psychobaston. Je sais pas du tout comment ça se passe, premier jour. Ah, j'aime bien le retour des lives du lundi soir. Tous les lundis soirs, on est là maintenant. Bon. Ah oui, je comprends ce que vous me disiez quand c'était un peu prenant en mode... pas gros stuff, quoi. Skip, c'est mon annif d'abonnement alors que j'ai que c'est mon deuxième de mois. Ok. Moi j'ai jamais joué à Fallout, mais ça me fait penser à Fallout, ce mode, cette vision là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'imagine qu'il faut survivre. Alors lorsque la guerre civile a éclaté, la plupart pensaient qu'elle ne durerait que quelques semaines. L'armée gouvernementale a mis des années avant d'encercler les rebelles dans la capitale, coupant toutes les voies d'approvisionnement. Piégée en ville, la population civile subit la famine, la maladie et les bombardements. Katia a rencontré Pavel et Bruno avant la guerre. T'es obligé de le dire comme ça. Elle était elle était journaliste. Il y a aussi des petits trucs là, tu vois. Elle était journaliste et Bruno animait sa propre émission télévisée de cuisine. Pavel était une star. Non, c'est Pavel. On va dire Pavel, je pense. Parce que Pavlito. Oh, Pavlito. Pavlito était la star d'une équipe de football locale. Elle l'avait interviewé une fois. Les voilà réunis dans des circonstances radicalement différentes, à la recherche de nourriture et d'un refuge. Ok. Donc ils sont trois. Préparez-vous, on va chialer. Hein. D'ailleurs, j'aurai un jeu à te proposer si jamais t'en manques. Ah bah après. Pavel. Alors. Donc du coup, on a Katia. Donc on a un système de personnages. Bon cuisinier qui est légèrement malade. Compétence de marchandage pour Katia qui est où, Katia? C'est elle, Katia, d'accord, pardon. J'avais pas bien vu. Et Pavlito, bon coureur. c'est un roleplay, c'est pas possible. Alors, comment est-ce nos affaires? Notre refuge n'est qu'une ruine. Je connais rien du tout, hein. J'ai jamais vu de let's play et tout, donc on va... Dépêche-toi. Ah non? La cam cache des choses? Faut que je mette où la cam, déjà? Traîne pas. Ah, déjà, il y a un système de temps, là? T'as pas le temps de planer. Ah oui, on est déjà sur un truc. Si je me mets à gauche, ça ira? On dirait Beholder, un peu, ouais. À gauche, ici, vous pensez que ça va? Attendez. C'est bien, là? Il y a le temps en haut. Ok, d'accord, donc on va mourir. Ok, bah alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va fouiller un peu. On va fouiller, voir ce qui se passe. Je pense que c'est la base. Pièces. Il y a un système de craft? Diverses pièces mécaniques permettant de créer et réparer des appareils complexes. Il est impossible de faire de l'alcool de contrebande sans sucre. Un peu d'eau propre, pour préparer un bon repas ou pour de l'alcool. Pièces électriques. Bah là, on prend tout, là. Ah, je prends directement tout, là. Fouiller. Ok, c'est bien. Lui. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? On a de la chance qu'il ne fasse pas froid, ici. Vas-y, va dans le truc à côté, toi. Oh, et chacun, on doit leur faire des actions. Et il y a combien d'actions par personne? Genre là, c'est quoi? C'est pas possible de passer, ça. Hein. Ah, c'est logiquement, oui, c'était con. Il y avait marqué un truc barricadé. Double clic pour courir. Oh, ils font chacun des activités. Lui, il est en train de crever, là. C'est quoi, ça? 17 degrés. Objet ménager. Autre action. Autant, tu peux faire plusieurs actions en même temps. Ok. Alors, par contre, les mecs, ils ont pas prévu de mode tuto, quoi. Parce que t'es là, je suis déjà en train de fabriquer un lit, là. Durer une heure. Ah là, on est déjà en train de bouffer du combustible, quoi. Donc, combustible. Donc, à chaque fois, il te faut des différents objets. Est-ce que, par exemple, quand Katia a des objets, on est d'accord que lui, il les a aussi, quoi. C'est la guerre, il n'y a pas de tuto. Mode histoire pour le tuto, non. Ah, parce que je suis en survivre. Ah, je suis peut-être en... Est-ce que c'est pas mieux de faire l'inventaire est commun? Ok. Et ça, c'est quoi? Amélioration, vous avez amélioré, il permet de la création d'objets, d'accord. Donc ça, c'est en gros, c'est l'atelier. C'est vraiment mal guidé. Est-ce que c'est pas mieux l'histoire pour ceux qui connaissent? Ceux qui connaissent pas besoin. Mais pour comprendre un peu, parce que sinon, moi, je suis très chaud pour y jouer, mais là, là, il y a beaucoup d'infos. L'histoire est cool. Parce que là, on est d'accord que c'est le mode survie en mode 60 secondes, non? On va faire l'histoire, ouais. Parce que là, en gros, juste le truc survie, je pensais que c'était le mode classique. Mais on est juste dans le rush, en mode t'essayes de durer le plus longtemps. Troisième mois, merci le pif. T'as pas accès à l'histoire, je crois. Ah.
Ah, les trucs de stories. Je peux payer le bon pack. L'histoire bien mieux. Ah ouais, voilà, comme ça, histoire de l'atelier. Écrire ma propre histoire. Mode histoire. C'est rigolo ça, ça marche pas. Marrant ça. Putain, c'est... Va, stories. C'est le truc d'avant, il me dirait. Ah ouais, c'est rigolo ça. L'histoire, c'est ta propre histoire. Écrire ma propre histoire ? C'est ça le truc que je dois faire ? Ma propre histoire. Oh ! Oh bah ouais, c'est ça que j'ai envie de faire ! Bah voilà, comprendre un peu au début. Comment c'est mon histoire ? Bien sûr, j'ai envie d'avoir mon histoire. Alors choisissez les personnages de départ. On peut en avoir combien ? On peut choisir que 4 personnages. Oh bah attends, on veut des bonnes gueules, nous. Squin. Merci Squin, il y a 0 DLC, on nous dit. Alors Anton, je l'aime bien, moi. Est-ce qu'ils ont des trucs différents ou pas ? Ou c'est juste des photos ? Oh là là, lui on sent que... Non, lui, il a pas une enfance facile, lui. Ensuite, aussi, il y a juste, du coup, belle info, là, pas de DLC, hein. Ah, les gars, belle info, ça. Tu peux mettre ta propre photo. Définir un nouveau civil. Non, non, attends. On se met Marco. Non, on se met Pavel. J'aime bien Pavel. Anton, il est un peu... Il nous faut des femmes. Arika, elle a l'air forte. Et ensuite... Je prendrais bien Zlata. Voilà. Prenons que 3 pour commencer. Bon bah chaque personnage a sa propre histoire. C'est le pire bien en fait, tu vas te ce qui se passe, Gokunji. C'est ça le vrai jeu. Prends pas Sieta. Bon attendez, on va... Ça crée ma propre histoire, c'est peut-être mieux. Tu peux mettre ta propre photo. Tu commences le jeu à l'envers en vrai. Attendez, pause. Parce que là je vous connais. Là, je vous connais. Est-ce que on est en misplay ou pas ? Est-ce que ça, c'est pas le truc un peu plus deep que l'autre, au final ? Enfin, pas deep, mais que le jeu, en fait, tu le commences et tu dois juste survivre. Tu vois ? Même si on n'y comprend rien, peut-être, au début, c'est, si c'est le jeu qui est voulu comme ça, là, c'est un éditeur de scénario. Là, je suis en... Je sais pas, je connais pas le jeu. Oui, c'est, alors c'est vrai que vous êtes... Alors, moi aussi. Il y a un mode histoire, en vrai, où tu as un tuto. Là, tu paramètres ta partie. Là, je suis dans l'éditeur de jeu, ouais, voilà. C'était pas comme ça avant. Ah, nice, bon, bah, parfait. Bon, on fait retour et on va se dépatouiller. C'est une OP. Non, sinon, il y a... Bah, pensez pas que je fais des OP tous les jours non plus, là. C'est vrai que je vous ai habitué à un beau rythme, quand même. Mais, bon, continuez. On revient au goulag, là. Allez, on y retourne. Ouais, au tout début du jeu, il y avait le mode survivre. Il y avait que le mode survivre. Ah, bah, voilà, c'est le mode survivre, alors qu'on veut. Ah parfait, j'ai pu recommencer, trop bien. J'ai qui ? Légèrement malade ? Bruno est légèrement malade mais c'est un bon cuisinier, ok. Donc là ce qu'il nous faut, c'est fouiller, j'imagine. Qu'est-ce qu'il faut ? Voilà, prends tout, ça on avait déjà. Quitter. Moi, en bas là... Mais ils font quoi ? Ils bouffent de la terre quand ils sont là quand... Ah non, ils débarrassent en fait des... Vas-y, bloque le truc. J'ai une sacrée migraine. Ah bah frérot, Ah, il peut plus bouger, lui. Ah, ils ont chacun des actions. On a la chance qu'il fasse pas froid. Ah bah vas-y, mets les mains dans le pétrin. Parfait. Lui, il est en train de faire un truc aussi. Ah bah lui, il était temps, quand même. Ah, il avait une migraine, donc ça l'a gêné. Légèrement malade. Ah bah Bruno, on va le sacrifier, hein. Je peux sacrifier Bruno ? Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Eh, Katia, là. Double-clic, hein. Double-clic, ça court. Ah ouais, double-clic, tu mines, toi. Qu'est-ce qui t'arrive, Katia, là? Et lui, il branle rien, lui. Lui, il est assis, il est pépouze. Ça prend un temps fou sans pelle. Ah, il nous faut du craft. Et du coup, c'est là le craft. Vas-y, descends, Bruno. Ah, ok, c'est pour des débris. Au moins, il fait chaud. Bon, c'est bien. Alors, une pelle. Atelier de métallurgie. Combustible, que fabriquer? Objet ménager. Ah, bah, il n'y a pas de pelle. Il n'y a pas de pelle. Je pense qu'il faut tout trouver, en fait. Il faut tout trouver, mais du coup, les placards, il n'y en a pas tant que ça pour l'instant. Ah, ici. Ah, si, ici, là. Ici, il y a du placard, là. Ça va faire du bien. Oh, parfait. Ramasse tout avant de craft. La serrure est plutôt simple, je vais pouvoir la déverrouiller. Vas-y. J'ai besoin de quelque chose pour ouvrir cette serrure. Ah, il est keblo.
C'est verrouillé. Ah bah remonte. Ah bah lui, il nous sert à rien. J'ai envie de le tuer, lui. Hein. Peut-être bientôt la fin de Bruno. Oh non, Bruno, mais tu bosses, toi? Il bossait pas, Pavel! Pavlito en situation de il bosse pas. Ah, d'accord. Parce qu'il y a des trucs, en fait, où il t'indique le chemin le plus rapide. Non, non, tiens, tiens, va là-bas, toi. Voilà, fouille un peu, là. Fouille un peu. Ok, c'est bon, on est reparti, là. Équipement. Outil de crochetage. Parfait, l'outil de crochetage va nous permettre... Magnifique. L'outil de crochetage va nous permettre directement, lui, de crocheter. Retourne en bas. Super. Super. Alors, en truc super, je m'y connais. Là, je peux vous dire que c'est... tout prendre. C'est quoi, ça? Herbes. Différentes herbes permettant de confectionner des médicaments. Mais là, je commence à avoir de tout. Outil de crochetage. Donc ça, c'est magnifique. Composants, sucre, bois. Mais je prends tout. Je prends tout ce que j'ai à prendre. Ok, ça crochette dans tous les sens. On se remet sur Pavel. Tu fais quoi, Pavel? Pavel, là, tu tapes. Mais attends. Bandage permet de panser des plaies. Et l'autre, il est pas malade? On prend... C'est quoi, ça? Livre. Un bon livre est toujours réconfortant. Bon, ok. Là, il y a un chemin pour sortir, ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dehors direct? C'est contaminé dehors? On sait pas trop ce qui se passe encore. Hein. Lui, là, il ouvre. Vas-y, ouvre. Allez, bouffe un peu de... Allez, bouffe un peu de gravier, ça te fera pas de mal. Là, en plus, super, tu nous chopes des trucs. Allez, c'est bon, le gravier, c'est bon pour la santé. Ouais, c'est bon, on a vu, monsieur. Hein. On va pas... Nous pourrions construire ce dont nous avons besoin. Mais elle, si je la fais se barrer, là, c'est pas bon ouf, ça. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Il y a des trucs à fouiller, ici? Oh, mais on fouille tout. Mais je suis un fouilleur de ouf. Je suis un fouilleur de ouf. Et vas-y, va là-haut. Et Pavel, pendant ce temps, il fait quoi? Ah, il se touche, Pavel. Et pour aller là-haut? Ah, là-haut, c'est on est obligé de faire ça. Ok, là, je suis en... Je clean mon endroit. Pour l'instant, on comprend pas tout. C'est quoi, ça? Aliments crus. Ils sont mangeables, mais ça serait plus nourrissant après cuit. Bah, je pense, de toute façon, là, faut rush un peu tout ce que tu peux rush. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous dites des trucs. Mais dire au streamer que manger du gravier, c'est pas une bonne idée, ça va. c'est un backseat niveau 1 qui est accepté. Bob, merci pour le Prime, DaSpace, merci pour le 10e mois. Non, non, mais le but n'est pas que vous me carriez de A à Z. Pour que je comprenne un peu ce qui se passe, c'est bien. De ce que j'ai compris, il faut faire des lits assez vite. Mais ça, la logique était là, quoi. Quelqu'un devrait aller chercher des provisions dans la nuit. Après, là, ils sont quand même beaucoup en gravier. Hein. Peut-être un peu trop de gravier, quand même. J'attends juste que lui ait fini et ensuite je le mets à l'atelier. Parce que l'autre, elle est en train de bosser, là. Et on voit, genre, leur vie de 2h50. Ah, ça fait qu'une journée passe. Ah, du coup, ils vont vouloir dormir à la fin de la journée. Même en se faisant carry, aucune partie ne se ressemble. Et le jeu a l'air cool, hein. Je comprends pourquoi. Je pense qu'il faut se mettre un peu dedans. La porte est verrouillée, mais j'ai de quoi m'en occuper. Je pourrais forcer la serrure si j'avais des outils. Oh, bah, gros, me dis pas que t'as fait tout ça pour rien, putain. Oh, pour l'instant, Bruno, il nous déçoit. Hein. Légèrement malade, bon cuisinier, bah, va falloir qu'il nous fasse à bouffer. Hein. T'inquiète pas, c'est un Day and Retain, donc normal, tu galères et que tu meurs. Ok, et ensuite, tu comprends. Alors, je peux faire des lits. Alors, je le place où? Là. Là. Ouais, là, il est bien, là. Bruno, fais le premier lit! T'as pas fouillé partout, là où il y a des mains? Bah, les mains, à un moment, il s'est juste assis, hein. Là-dessus. Mais ouais, j'ai encore des espaces. Mais là, j'avoue que... Il pète un peu tout, mais on est en train de se faire... on est en train de se faire des bails, là. En vrai, j'avoue que la pelle, c'est peut-être le meilleur bail, parce que le faire avec les mains, ça commence à être chiant. Je suis trop con. Ah, il fume. Il y a des gens qui fument dedans? Bois du café. Mais c'est pas l'apocalypse, là? Ah, les mecs, vous allez pas boire votre petit café du matin, peut-être, hein, je préfère vous le dire. Oh, il a fait son lit. En voie de rétablissement. Oh, il dort dans son lit. Oh, un diamant. Un bijou, objet précieux pour le troc. On prend. Ok, trop bien. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a cliqué sur des... Ah bah non. Non. Ah, je vais manger le truc cru. Dommage que ça soit pas cuisiné. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur de bouffer le truc cru. Oh, elle va tomber malade, elle. Oh, première erreur.
Oh, ça fait mal, hein. On va amener l'autre fouillé. Oh là 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 là. Regarde téléfoot tous les dimanches. Bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre sinon? Une chaise. Chaise, ça a pas l'air dingue. Permet de chauffer le refuge pour éviter de tomber malade. Et on peut pas bouffer à travers? Permet de créer des outils comme des pelles. On va créer ça. Où est-ce que je le mets? Vas-y, on le place là. Parfait. Et lui, du coup, en voie de rétablissement. Mais il dort jusqu'au camp, le gars? Merci, Kunshan. En même temps, jouer à un jeu sans même se renseigner. Bah, vous vous renseignez, vous, avant un jeu? Enfin, quand tu l'achètes et tout, oui, tu sais à peu près ce que c'est. Mais c'est trop bien, la découverte. Moi, j'ai essayé d'aller aussi, alors un peu différent, mais au cinéma, sans lire le synopsis. Eh ben, je te jure, gros, que c'est genre tellement mieux. Parce que parfois, en fait, du coup, parfois, t'es pas sûr de tout... Oh, la nuit. Oh, il faut faire des choix, là. Pense survie. Oh, ouais, merde. Entre le Stardust sur Fortnite, le bon 2000 choix héros, le bon Team Pack, ça change pas. Aïe, le frère, merci. Faut les enfants de s'enseigner avant de jouer à un jeu. Le but, c'est de découvrir un jeu en disant, bah ouais, c'est pas mal, hein. Pareil pour les trailers, trop de spoilers. Les trailers, généralement, surtout les films d'action, t'as déjà vu le film, quoi. Alors, bon coureur. Compétence de marchandage, légèrement malade. Alors du coup, dormir dans un lit. Monter la garde. Le voisinage a été bombardé récemment et de nombreuses maisons brûlent encore. Les gens ont fui précipitamment. Nous trouverons donc peut-être des choses utiles sans avoir à croiser d'autres personnes. Beaucoup de nourriture, quantité énorme de matériaux, beaucoup de médicaments. Ah ok, c'est en fonction. Nous on est là. Le cottage bombardé. Le squat délabré, quelques armes. Voilà, ça a l'air d'être maison mitoyenne. Danger. Bah là, y a pas de danger, on va là-bas. Hein. Je pense qu'on fait exactement ça. Et elle monte la garde plutôt, Katia. Histoire qu'on se fasse pas piller pendant la nuit. Ce qui fait qu'elle va avoir une petite journée demain. Lui. Eh, mais Pavlito, on y va. Oh merde, on y va avec quoi? Avec des bandages si jamais il se blesse? Avec du bois? Il a pas d'arme, donc quoi qu'il arrive, avec R, quoi. Le bandage aurait pu être bien, mais je sais pas si c'est logique. Parfois, je fais des trucs pas logiques, et ensuite... Ou trop logique. Oh là là, Signax qui lâche 20 subs. Signax le ref, je vois du Domingo GG, du Domingo GIF dans le chat. Merci énormément, Signax, les 20 subs. Le ref, merci beaucoup, gros. Merci énormément. Alors, là, on est sur Pavlev. Alors là, on va juste fouiller. C'est vachement bien, le jeu, en fait. Pour l'instant, on a juste des points, donc on n'a pas d'armes. Parfait, je prends tout. Archi propre. On enchaîne. Merci. Ah, j'ai pas des trucs illimités, en fait. Ah ouais. Je vais prendre que ça pour l'instant, je pense. Et au pire, je tégerai. Il nous faut d'autres trucs. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur avant d'ouvrir la porte. Oh, mais c'est trop bien. Je peux aller à droite. Je peux voir à droite. Bah, y a rien. J'y vais. Je rentre. Hein. Bonjour. Ah, faut juste mettre des petits coups de. Mais c'est fantastique. Ça, je prends. Ce jeu a connu des joueurs meilleurs avec son propriétaire, c'est sûrement beaucoup amusé avant qu'il soit cassé. C'est pas ce qu'on cherche, hein, au propre. Non, je cherche de la bouffe, là. La bouffe, c'est bien. Il vend des médicaments. Un peu d'eau, hein. Un peu d'eau, c'est bien d'avoir des tas. Et un peu de sucre, hein. Le tas de 10, il fait plaisir. Ah, je checkais juste si on peut monter à plus de 10. Le nounours, bon, on verra s'il n'y a pas mieux. Oh, l'herbe, hein, du coup. Au pire, on tèche tout à l'heure. Ah, mais là, on va tèche direct. Ah, aussi que tu gères le moral stress. Ah, bah voilà, là, on a 10, là. Bah, là, je suis en full stuff, hein. Je sais pas jusqu'où et si ça peut être dangereux. Après, là, c'est juste les voisins. Je pense qu'on peut peut-être monter, après. Ce serait bien d'avoir une arme, un truc. Ah, bandage, c'est bien. C'est quoi? C'est un médicament à base de plantes. De simples médicaments à base de plantes. Ah, du coup, c'est des plantes améliorées, quoi. Donc autant avoir le médicament plante.
Et le bandage, il a l'air bien. Le bandage, je tégerai un peu de ça, là. Allez, on y va. Ok. Et il se passe quoi si tu tombes sur un mec? Il te fracasse? Il peut te fracasser, genre? Parce que je pense, là, on a ce qu'il nous faut, hein. Juste à voir s'il n'y a pas mieux. On peut prendre... Oh, les deux oursons qui se stackent. Ça, c'est bien, ça. Hein. Ouais, j'ai rien de mieux à faire. Hein. Là, va y avoir un mec 100%. Je peux voir où je regarde, tu sais, genre, j'ai un truc de... Vas-y. Oh, ça, c'est les pas! C'est qu'il y a un mec en bas? Ah, c'est que 100%, il y a un mec en bas. Et comment je sais quand c'est bon? Ah, faut que je parte, faut que je parte. Attends, je pars. Ah, mais on peut peut-être descendre encore. Oh, je me barre. Hein. On en a assez fait. Hein. C'est bon, on se barre, on se barre. Cours, 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 cours. Là, j'ai du double clicos. Allez, c'est bon. Pap. On est de retour, on voulait juste un peu de ressources. Juste un peu de ressources, on n'a pas besoin de tout. Ce jeu de la dépression, trop bien. Ouais, il a l'air trop cool le jeu en vrai. Enstril, merci pour le prime. Un petit loot sans danger, on est jour 2. J'ai pas pris d'armes. Ah, mais j'ai pris de quoi manger. C'est rare que tu manges des munitions. Tu vois, regarde, il dit, j'ai trouvé plein de trucs vraiment chouettes. Quelle nuit. Ah, il s'est régalé le mec. Equinox, merci pour le 8e mois. J'ai acheté des provisions et a ramené des choses intéressantes. Pff, mec, on a du bois, gogo. Il a besoin de repos, il a faim. Bah, lui, il nous fait un peu chier, lui. Besoin de repos. Bah, il nous faut du. Est-ce qu'on se crafterait pas un deuxième lit là? Ce serait pas mal. Biloute qui sub en plus. Et ouais, là, on a tout ce qu'il nous faut fabriquer. Hop. On place le deuxième lit. Qu'est-ce qu'il fait lui? Faim, besoin de repos. Bah, faudrait penser à manger du coup. Tiens, gros, là, ce serait bien que tu bouges un peu ton cul quand même. Sans offense, hein. Si Pavel peut aller dormir, ça serait pas mal, je pense. Ça ferait plaisir pour lui. Alors lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire lui? Des trucs de bouffe. Avec un peu de patience, de l'eau, il est possible de faire un alcool de mauvais goût, mais assez fort. Troquer. Faites brûler du combustible. Poêle rudimentaire. Ça part juste en poêle rudi en fait. Mais c'est juste. En fait, ici, c'est notre cuisine quoi. Oh, ça va sentir le graillon juste à côté, mais là, c'est magnifique, hein. Némétor TV, merci beaucoup. Calmez-vous si vous voulez pas que ça soit pas de time out, mais du parban. On vous dit pas de backseat. Ah, c'était du full backseat là? Ah ouais, me dites pas tout le chat! Tu vois, laissez-moi me faire surprendre! Si je me fais pas surprendre, c'est très dur déjà de me surprendre sur les jeux. Ça, c'est le souci. C'est le souci quand. Quand t'es stratosphérique sur tous les jeux, c'est le souci. Mais bon, essayez. Navrat, merci beaucoup pour le 10e mois. Ah, mais il peut cuire. Ah non, non, pardon, 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 pardon. Trompé, trompé, trompé. Aussi, au lit. À faim. Alors fais à manger, mais pas que pour toi. On n'a pas d'allumettes. On peut soit faire brûler le livre. On va faire ça là. Fabriquer. On fabrique direct. Poignard déjà. Oh, Diaz, c'est beau. Et du coup, on va avoir trois bouffes là. Le jeu est pas compliqué. Non mais c'est bien, mais du coup ce qui est bien tu vois c'est que je fais une game en découverte totale et ensuite vous me direz limite à la fin de la game un peu tous les trucs pour que ça aille plus vite. Et là qu'est-ce qu'il a fait le mec là? Ah c'est bon. Nourriture cuisinée. Ouais vas-y. T'en fais trois. Un peu pour tout le monde. Il a faim, il a besoin de repos. Besoin de repos. Ah, il est là, hein, le Bruno. Hein. Le Bruno bon cuisinier, il fait plaisir. Hein. Le Bruno bon cuisinier, il fait vraiment, vraiment plaisir. Et les autres, ils dorment, du coup. Il cligne des yeux sur la photo. Bah, il mange. Ah, bah, il a faim en même temps. Ça suffira pour le moment. Mais est-ce que je ferais pas trois lits? Besoin de repos et faim. Faire trois lits, non? Ou alors, non, on fait jamais trois lits et on se. Un fil fait maison à usage unique. C'est pour purifier l'eau de pluie ou distiller de l'alcool. C'est important.
S'asseoir sur une chaise qui est sur le sol devant, fabriquer pour un endroit plus agréable. Ouais, trois lits, il faut un mec qui fasse la garde. Le chauffage. Un chauffage simple sera fabriqué. Et pourquoi je peux pas le faire là? J'ai tout. Et là, en fait, on les regarde dormir? Pourquoi je peux pas fabriquer? Ah, pardon. À droite, c'est ce que j'ai. Ah oui, à droite, c'est ce que j'ai. Excuse-moi. Osaka, merci beaucoup. J'ai déjà le chauffage? Il fait 17 degrés, ils sont bien. Ah bon, on va se faire une radio alors. Je la mets où la radio? Ah bah là on est en... Faudrait que je fasse une pelle et tout quand même. Mais en fait j'ai fait qu'un étage. Tant tu dors en plein jour. Ouais ils vont se reposer, c'est bon ils vont se reposer hein. Tiens Vagraï toi, a besoin de repos. Vagraï ça te fera du bien. Je pense faut qu'on construise hein. Ouais grave Zohar, c'est typiquement un sujet qui peut être cool. Tu vas attirer l'attention en ayant une radio. En même temps mec je suis dans un bunker hein. Je pense qu'on devrait pas fermer les portes et tout. Je pense que... Ah bah alors qu'est-ce que c'est que ça? Réglage. Le chef des rebelles. Alors on est jour 2. Eh c'est kiffant. Le chef des rebelles nous a demandé d'avertir les auditeurs qu'ils ne devaient pas traverser le front. Le non-respect de cet ordre peut entraîner la mort. La musique classique. Oh. Il y avait un truc là. Ah bah c'est ça. Parce que je suis con. Ça a demandé d'attirer qu'il ne devait pas traverser le front, le non-respect de cet ordre pour entrer la mort. Le con, toujours le même message. Il n'y a pas des fréquences genre De Gaulle qui parle Ah, malgré les contre-attaques désespérées des rebelles pour lever le siège de Pogoren, la ville reste isolée. Les forces gouvernementales empêchent toutes les aides d'arriver jusqu'à la ville sous prétexte qu'elle finirait entre les mains des rebelles. Je connais même pas exactement Haraldir, merci pour le 10e mois, Wizzy Dark aussi. C'est le Kosovo, cette guerre? Parce que c'est 93-95, c'est pile, moi je suis né en 94, donc... Les prochains jours devraient rester agréables et doux. Temps idéal pour une balade dans le parc. Ah, c'est bien ça. Bosnie-Herzégovine. Ah. Ok. Bon. On va construire un truc là-bas. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire, bon cuisinier? Lui, il est un peu fatigué. Rien ne vaut un bon somme. Ah, elle est plus fatiguée, mais en fait, l'autre, je l'ai réveillé en pleine nuit. Oh, je suis un gros chien. Elle a pas encore faim, donc on va laisser la bouffe pour l'instant. Il me faut de... Il me refaut ça, là. Faut qu'on ressorte dehors. Petite pelle pour se frayer un chemin. Il me faut une pelle et un... Ah, j'aurais dû faire la pelle. J'ai grind, là, sur plein de trucs. Un peu bêtement, là. Qu'est-ce qu'il y a à faire, là? Je sais même plus ce qu'il y a à faire, du coup. On a tout fouillé ou pas? Parce que là, j'ai plus rien à foutre, là, en fait. Attends, lui, je vais le reposer, il va repartir en mission, hein. Kamikagu, merci pour le prime. Bon sang, il y a plus de cigarettes. Oh ouais, lui, il va nous rendre ouf. Là, j'avoue que là, je suis un peu du père, là. Parce qu'il est 2h... Il est 3h de l'après-midi. On a un peu de bouffe, si jamais, en plus. Non, pardon. Et du coup, là, je suis un peu posé. Ah ouais, il y a des moments où tu peux faire terminer la journée, quoi. Après, il y a ça que j'aimerais bien commencer à... Ah, pose-toi en attendant. Hein. Tu peux en envoyer deux dans la nuit. Bah attends, déjà, je vais essayer de bouger ça, comme ça, on va pouvoir... C'est verrouillé, mais mes outils devraient faire l'affaire. Eh bah non, on a rien, nous. C'est verrouillé. Moi, je vais faire terminer la journée, hein. Ah mais du coup je sens que je manque de trucs là. Kyriok, merci pour le prime, la nuit.
Bon alors, bon cuisinier, bon coureur. Il a 12 dans le bain, compétences de marchandage. Ça, on a déjà fait. Nouveau garage. Beaucoup de nourriture, quantité énorme de matériaux. Beaucoup de pièces, échange possible. Prudence recommandée. Je l'envoie. Je l'envoie collecter. Je l'envoie collecter dans le garage. Parce que il peut y avoir des échanges et elle a des compétences de marchandage. Les deux autres, ils vont dormir dans un lit. Ah, c'est peut-être bien que. Hey, Bruno, monte un peu la garde. Monte un peu la garde, poteau. On va se dire que tout le temps, il y a quelqu'un qui monte la garde ici. Ah, je l'emmène avec quoi? Oh, bah, je prends rien, hein, comme tout à l'heure. Hein. Non, non, je prends rien, partir collecter. Hein. Bon courage. Oh, j'espère durer genre une semaine quand même. Je me demande si les propriétaires sont toujours là. Ah ouais, c'est ça l'ambiance, elle. Et on fouille. Allez, on part en fouillage. Marchande sans rien. Ah si, j'ai de quoi tu fais récupérer des trucs. Je vais pouvoir leur échanger. Mais c'est vrai que ça aurait été bien peut-être un peu de. Quelqu'un a griffonné sur le mur. Fini la partie de cache-cache, rendez-vous au paradis. Ok, personne. Là, il y avait un point, un truc là. Ah non, ça c'est la. Faut sauter et tout. Il n'y a pas grand-chose quand même, hein. Ça, j'en ai trop besoin. Ça a tapé? Hein? J'ai fini là? Y'a rien d'autre? Ah non, y'a ça. Et vous, j'ai besoin de médicaments pour mon père, vous en avez? Il va me tuer. Ne faire une stupide part. Ah, je m'en vais. Je m'en vais. Il faut partir là, je vais mourir sinon. Il a pas l'air très gentil. J'ai rien. J'ai quoi dans mon sac à dos? Ah non, j'ai que des composants et du bois. Il va me fumer. Faut que je revienne avec lui. Et on peut pas crafter. Vous voulez échanger, oui ou non? J'aimerais bien, mais. Ouais, je me barre, je peux plus. Mais du coup, ici, je peux revenir avec des bandages. Ah bah voilà, parfait. Il se barre, et là je reviens, et je peux pas. Ça ne sert à rien. Oh, c'est risqué, hein. Il y a un mec. Ouais, bon, c'est de la merde ce que je fais. C'est risqué. Bon, au moins on a l'info. Au moins on a l'info, Danou. Au moins on a l'info qu'il nous faut des bandages. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse. On a pris déjà un peu de trucs, ce qui va nous permettre de faire une pelle. On va être bien, on va être bien, on va être bien là. Là, on est bien, hein. Oh là, là je pars en vacances, hein, je vous amène. Hein. Tu peux zoomer avec la molette. Ah putain. Je vois que je fais pas assez parce que ça a l'air d'être assez large quand même. Ces médicaments? Merde, pas des bandages. Pff, vous êtes là. J'ai trouvé vraiment plein de trucs chouettes, quelle nuit. Ah, moins cool que la nuit d'avant. Je dois le dire, Katia. Katia, du coup, il y a ton petit bol de soupe qui t'attend. Ça met bien. Faim, faim. Ah ouais. Besoin de repos. Ah bah on va attendre un peu pour manger. Ah oui, on est sur dans la merde quoi. Parce que là j'ai deux trucs encore fermés, donc il me faut deux crochets et je pense une pelle quoi. Ça c'est sûr je pense, pelle, plutôt que pieu de biche. Arme. Oh, ça aurait été bien mais pour avoir des armes il me faut ça là. Une pelle c'est sûr. On se fait une petite pelle. Lui il dort pendant ce temps. Non 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 non, continue ça toi. Besoin de repos. Vas-y, dors. Quand ils vont se réveiller, je vais envoyer Bruno faire de la bouffe. Et Pavlov il charbonne. Hein. Pavlov il est en charbon là. Pavlov est juste en charbon et je vais renvoyer Katia la nuit prochaine avec des médicaments. J'espère qu'il aura le même besoin, le mec. Je sais pas comment ça marche. Enfin, il est mort, son père, et du coup, il va venir, il va m'en vouloir. Ouais, ça, on n'y avait pas pensé, ça. Ouais, deux outils de crochetage, comme ça, on va pouvoir faire en bas et en haut. Je sais même pas si. Ah non, il y a ça aussi. Bah, parfait, avec la pelle. Trois outils de crochetage, du coup. Il va m'en falloir trois. Salut à tous, un plaisir de vous voir en direct. Et bonjour, YouTube, lol. Ah oui, bonjour.
À gauche, à droite. Non, il y en a un peu partout là. Oh, on aurait peut-être dû s'écouter la radio aussi. Faim, besoin de repos, parfait. Il nous reste deux trucs, donc... Attends, je t'en fais. Oh non, putain, j'ai réveillé. Oh, ça c'est le pire truc. Je réveille les mecs en fait parce que je me trompe. Et j'ai plus assez pour faire un pied de biche. Bon bah on va ouvrir. Oh! Oh! Là, debout! J'ai des choses à échanger. Y'a quelqu'un à la porte. Katia, vas-y. Mais on envoie quelqu'un. J'ai faim. Mais hey, gros, y'a quelqu'un. Tiens, fais à bouffer limite. Comme tu vois, ça verra rien, toi, on te connaît. J'envoie Pavlov à côté derrière. Quoi? Ah, il faut que je craque des allumettes. Allez, fais-en. Ouais, fais-en deux. Ça nous emmerdait, lui. Allez, Katia. Bon, on sent de bonsoir, c'est dangereux dehors. Et Pavlov, pas loin. Pas loin derrière. Alors? Bah, je sais pas, tu veux échanger quoi? Oh, comment faire, moi? Échange. On échange ou non? Qu'est-ce qu'on échange? Que voulez-vous? Nos affaires? Montrez-moi ce que vous voulez échanger. Mais il veut échanger quoi? On sait pas ce qu'il veut échanger. Des armes! Consommables. Oh. Ah, c'est comme ça. Tout ce qu'il est possible de brûler, c'est plutôt... Et moi, je mets des trucs? Prends-lui des médocs. Il a des médocs, lui? C'est quoi, ça? Conserve de nourriture. Oh, c'est pas mal, il a full truc. Médicaments à base de plantes. C'est pas très... Ah si, c'est clic droit pour faire, ok, j'ai pas compris. Tabac permet de confectionner. Ah bah on a un fumeur. Médicaments. Ah bah j'avoue qu'avoir des médicaments serait bien. Bah en vrai j'ai pas besoin du reste. Je lui demande juste le médicament. Je pense. Et il veut quoi pour ça? Tiens, du sucre. Il va m'en falloir plus. Tiens. Et des pièces électriques. Pas assez, revoyez votre offre. Et un livre. Pas de livre. Un nounours. Deux nounours. Oh, deux nounours. C'est pas mal. Deux nounours pour... Attends, parce que j'ai plus de sucre du coup. On a encore 15 de sucre. Les pièces électriques, je sais pas trop à quel point ça sert. Ça c'est quoi ça? Oh, des herbes. Et je lui mets une, c'est mieux. J'étège les trucs parce qu'en fait j'ai vu qu'on peut faire des cigarettes roulées ici. Avec juste l'herbe. Donc on fera comme ça. Pour Bruno là. Benoît. Bon, 10 sucres, 2 nounours contre un médicament. J'ai un diams. Ouais ouais mais le diams... Merci mais j'en ai d'autres, regardez. Ah ouais toi t'es parti en... Ah, qu'est-ce que je peux te filer pour ça moi? Un livre. Ah non mais le bouquin gros, le diamant, mais le diamant. Quoi? Un diamant contre 4 trucs de tabac, mais t'es fou toi. Mais le diamant il le... T'es malade toi, vas-y bah... Après c'est vrai que ça sert à... Ça se mange pas de ouf un diamant quoi. Quand t'as la dalle... Ah ouais, t'es fou là, c'est trop là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Pas que je perde tout, moi. 7 herbes contre une conserve. Ça a l'air de coûter cher. Hein. Ça a l'air de coûter cher. Et les armes, peut-être? Ah, dégage, je vois ça. Quelle générosité. Et c'est quoi ça? Filtre. Ça peut être pas mal, ça, non? En vrai, un petit filtre, les balles vont te servir à quoi? Je sais pas. C'est pas comme ça ensuite qu'on crée d'autres trucs. Si Anert, viens pas le 27ème mois, Puniki 13ème mois, Smile Pastore 11ème mois et Tebavora. Je suis pas au courant, pas de popcorn ce soir, c'est mardi soir. T'es l'équivalent du touriste qui va marchander. Ouais, sauf que là, tu peux pas trop négo, quoi. Attends. Et si je te rajoute une herbe? Ah non, il est au max. Si j'enlève une herbe.
Ah ouais, non, il est obligé. Parce que c'est apparemment pour les armes à feu. Ah, mais du coup, quand j'en aurai, ça sera bien. Vas-y, va-t'en, dégage. Ouais, dégage. Cette partie de la ville est dangereuse, mais j'essaierai de revenir. Ouais, dégage. Bon sang, il n'y a plus de cigarettes. Alors lui, il va falloir lui craft des cigarettes à un moment. Bon, allez, fais agraille, toi. Allez, on n'a plus rien à bouffer, là. Katia, Katia, tu vas où, toi? Katia, t'es en charbon de... du croquetage, là. Ah non, mais on a dit que t'allais te coucher. Va te coucher, Katia, comme ça, on t'envoie de cette nuit, on t'envoie cette nuit. Il est grave gagnant, le gars. Arrête, je lui ai donné 5 brins de myrtille, enfin de marguerite contre des munitions. Ça aura toujours plus de valeur, hein. Ah fin, mais il mange beaucoup, hein. J'aurais peut-être dû prendre de la bouffe là-dedans, parce que là, au final, on se retrouve un peu cuit avec que deux de bouffe. Ça fait un moment que j'ai pas dormi, mais quel mytho. Je crois que je commence à le détester, Bruno. Je vous le dis, et c'est triste, hein. Mais je commence à le haïr. Si tu double-cliques, tes persos courent. Ouais, on va commencer à plus double-cliquer, là. Je le fatigue un peu, je le déteste depuis le début. Il a fait la garde de nuit. C'est vrai qu'il a fait la garde de nuit. Alors, est-ce qu'on récupère des trucs? Ah bah, du médicament, des plantes et un petit bouquin. Pas mal. Pas mal, le sbire. Bon, allez, Bruno, t'as mérité ta soupe. On est tous bravo à Bruno. Et là, il va faire la pelle. Ah, parfait. Heureusement que j'ai cette pelle. Fantastique. Bon, là, j'ai commencé à clean un peu toute ma maison. C'est pas mal. On va pouvoir crocheter pour fouiller. Certains objets valent plus cher que d'autres en période de guerre. Ah, moi, c'est ma première guerre de mon côté. Je sais pas vous, mais... Dommage que nous n'ayons plus de cigarettes. Force, hein. Un petit coup de radio, peut-être. Prochain jour devrait rester agréable et doux. C'est tous les combien qu'on doit check. Écoutez Radio Pogorelt, nous avons le regret de vous annoncer que notre collègue Jovan est décédé ce matin. Il a été abattu par un tireur d'élite tandis qu'il se rendait au travail. Il nous manquera. Ah ouais, c'est l'ambiance, hein. Malgré les contre-attaques désespérées des rebelles pour lever le siège de Pogorelt, la ville reste isolée. Les forces gouvernementales empêchent toutes les aides d'arriver jusqu'à la ville. Aïe 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 aïe. Ok, on n'aura rien. Et là, on chope un peu d'herbe à nouveau et du sucre. Parfait. J'ai marchandé la ressource dont j'avais le moins besoin. Est-ce que c'est une action incroyable? Bon, ça c'est. Je vous laisse le soin d'en parler, voilà. On n'est pas non plus là, toujours sur. Et Bruno, qu'est-ce qu'il fait? Va te coucher, Bruno. Bon, là, on est pas mal, là. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre, vous pensez? Pavel, il est bien. Qu'est-ce qu'il nous fait, Pavel? Gloire au replay. Merci. J'avoue qu'il est grave cool à regarder ce jeu. Ouais, c'est bien. Bon, alors, c'est très chill, hein. C'est très, très chill et tout, mais c'est très plaisant. Ah, j'ai repris des forces, mais à avoir faim, elle, du coup. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Est-ce qu'on se crafterait quelque chose ou pas? On renforce les portes. Comment on fait ça? J'ai déjà un filtre à alcool, distillateur, atelier de métallurgie, récupérateur d'eau de pluie. Ça, c'est pas mal, ça, c'est intéressant. Parce qu'on commence à être un peu en galère en eau de pluie, là. Faudrait améliorer. Et comment on améliore tous les trucs? Ah, parce que là, on est en pied de biche nécessaire, quoi. Augmente l'atelier. Ah, après, tu peux augmenter, sauf que... Pas mal la création d'objets de... Ah, d'accord, mais il me faut les matériaux, quoi. Bon, vous savez quoi? Je pense qu'on est bon, j'ai plus grand chose à faire. Je vais partir avec les médicaments demain matin. Et on termine la journée. Allez, on termine la journée. Enfin, Kif Popcorn continue comme ça, toujours un plaisir de te suivre. Merci Banto pour le 6e mois. C'est très gentil, Zoutrive aussi. Alors, qu'est-ce qu'on envoie? Compétences de marchandage, on va envoyer partir collecter. Et on va envoyer le bon Pavlov monter la garde. Alors, juste, on fait où? Est-ce qu'on fait dans le truc déjà que visiter? Dernière visite, il y a un jour. C'est pas mal, parce qu'on peut avoir un trade. Ça peut être bien, quoi. Ça peut être pas mal, parce qu'on a un trade de médicaments. On l'a fait pour ça. Donc c'est bien, monter la garde, partir collecter. Vas-y, on va au garage. Supermarché. Ouais, mais il y a du danger. Je suis pas encore prêt pour du danger, moi. Moi, je suis en... Je suis en petite couille, tu vois. On prend...
Ah non, ça c'est l'erreur, ça. C'était pas le bon truc. Je prends un médicament et je pars collecter. Tu vois, comme ça on est bien. Un chauffage, j'ai l'air d'avoir un peu froid. Ah ouais, c'est pas faux ça. Est-ce que du coup, en petite question, est-ce que c'est des genre là par exemple, si je vais en haut, c'est à nouveau genre j'ai des il y a des nouveaux trucs ou pas? Non, il y a plus rien là. Je suis au jour combien? Il y a marqué en haut à gauche, c'est jour 3. Ok. Il y a encore des trucs du coup. Jamais réussi à finir une partie. Bah écoute mon pote, regarde bien. Hey, j'ai besoin de médicaments pour mon père, vous en avez? Yes frérot, on est là. Oh là, j'avance de manière... Ça. Exactement ce dont j'avais besoin, je paierais cher pour ça. Alors mon frère, qu'est-ce que t'as toi? T'as beaucoup de choses, hein. Vous l'utilisez pour couper des meubles ou des gens? Il a beaucoup de choses, qu'est-ce que je lui demande? Qu'est-ce que je lui demande? C'est quoi ça? Roulé de qualité. Oh, il a beaucoup de trucs, je me demanderais bien des... La conserve. Ah, dommage. Est-ce que je lui demande la pioche là? C'est quoi ça? Lame de scie, elle permet de couper des chaînes et des barres de métal pour se rendre dans des endroits autrement inaccessibles. Là, une hache, ça me mettrait bien quand même, hein. Mais j'ai peur qu'une seule boîte de conserve, c'est pas dingue. Parce que la boîte de conserve a l'air de vouloir... Déjà, je vais lui donner une clope à l'autre, il va être content. Marché conclu. Ah non, pousse un peu, je pense. Il y a quoi qui peut être cool? Pièce d'arme. Plutôt ordinaire. Vous en pensez quoi de ça là? Je trouve ça pas mal. C'est un repas entier la conserve. Srémanite. Une petite clope pour l'autre, pour Bruno là. Du bois, mais du bois on va en récupérer je pense, non? Ah mais j'ai peur qu'on en récupère pas parce qu'on est au bout du truc et le mec va pas nous le laisser le piller quoi. Merci Big Max. C'est important pour faire le couteau, les armes. La Soul, bienvenue à toi, merci pour le sub. Sinon, plus de bouffe, hein. Sinon, genre. Rah. Parce que ça nous fait quoi? Des pièces, des lames, des barrières, des ressorts. La hache va te permettre de détruire le mobilier inutile. Bon, j'ai envie d'accepter. Je tente juste de voir si ça marche avec une ressource de merde. Pour le gratter, parce que je suis vraiment une grosse merde. Mais apparemment, c'est un... Vas-y, j'accepte ça. Et là, avec la hache, est-ce que je lui taperai pas dessus? Merci, cela nous aide beaucoup. On peut boire le café? Je donnerais beaucoup en échange de fournitures médicales. Je suis trop con, j'aurais dû prendre les deux. C'est quoi ça? Ah, il va pas kiffer? Il va me tuer? Eh ben les pattes, pardon, 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 pardon! Excuse-moi! Oh, mais je pourrais pas voler un peu? Ce que vous avez là, c'est un macabé là. Ah, il est bien dead là, lui. C'est chez nous dehors, garde ta distance. Oh! Baisse là, je la répéterai pas. Non, pardon, pardon. Je voulais pas d'embrouille, ne recommence pas. Oh, pardon. Attends, j'ai envie qu'il repasse là. Attends. Oh, il a un gun. Il a un gun, pardon, je m'en vais. Oh, le bâtard. C'est chez nous ici, tiens-toi à distance. Oh, l'enculé, l'autre est sorti aussi. Ok, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Si je me cache, est-ce qu'il va pas se barrer? Genre voir son père? Et comme ça, je peux refouiller? Oh, il bouge pas. Il bouge pas, on se pète. Allez, on se pète. On a déjà suffisamment bien... couvert vers la sortie. Ah, tu peux cliquer automatiquement. Non, on essaye, on essaye. On voit Katia est de retour. Bon!
Ça vole les autres, c'est pas très sympa. Bute et récupère l'arme. Ouais, mais je sais pas si c'est bonne idée. Tu vois, quatrième jour, pour l'instant, c'est nos voisins. Je sais pas. Je me sens comme le Père Noël. Là, on sait qu'on peut retrade du médicament pour lui, tu vois. Ça qui est assez propre. C'est que là, on a une hache, on a un peu de quoi bouffer, alors pas beaucoup, hein. Là, niveau bouffe, on commence à être très léger. Mais du coup, est-ce que y a pas un truc où la hache, je peux casser un peu des matériaux qui nous servent à rien? Exactement ce que vous me disiez, ça. Les lits, on va pas les péter de préférence. Mais genre, toutes ces armoires de merde et tout là. Vas-y, elle va péter les trucs. Toi, est-ce que tu pourrais pas, à faim, à besoin de repos? Ah, on n'a plus qu'une boîte de conserve, ça devient un peu la merde là. Là, c'est un peu ghetto là. Ah, surtout qu'on peut. Ah, fallait qu'on améliore. Fallait qu'on améliore l'atelier. C'est quoi le but? En gros, le but est de survivre. Pour l'instant, on est au jour 4. On a 3 personnages. Et en fait, le but est d'avoir un peu des ressources et tout. Alors, c'est pas du craft, hein. Vous en faites pas, moi. Dans les jeux de craft, généralement, je suis pas très bon. Ah, mais c'est pas ça. C'est ces bidules là que je voulais. Non, non. A faim, a besoin de repos. Bah, repose-toi alors, gros. Hein. Je propose que tu partes en repos. Et toi, t'as faim? Je suis assez chaud pour pas nourrir de bonne humeur, a besoin de repos. Mais tu sais quoi? Mais dors un peu. C'est Bruno là, le bon sbire là, qui va nous faire les trucs. Allez, vas-y. Elle est partie en truc, elle va dormir. Lui, il avait faim, il a rien foutu quoi. Natif Fraser, 2 ans d'abonnement, je te suis depuis ton départ d'Eclipse, ah, putain, ça fait longtemps, merci pour les 2 ans, poteau. Merci beaucoup pour le soutien. Alors, je pense qu'on va récupérer un peu de bois, puisqu'on a tout cassé. Oh, et des consommables! Des consommables, des consommables, là, c'est très beau. On est d'accord que je casse tout, il n'y a besoin de rien. Je vais tout péter. Vas-y, je vais tout péter, les 2 autres dorment. Je jouais à ça pendant la matinale de l'Eclipsia. Putain, moi j'ai découvert. Enfin, non, en vrai, je l'ai acheté il y a 1 an et je m'étais pas chauffé pour le faire. Ok, on va récupérer que du bois, quoi. Parce que justement, je savais pas exactement ce que ça allait être. Et au final, bah, je trouve ça très sympa. Oh là là, oh là là, oh là là! Des gosses! Des Tchétchènes. J'ai besoin d'aide, ouvrez, s'il vous plaît. Oh, mais là, le bon Bruno en tête-tête contre 2 gosses. Montre un peu voir. C'est quoi? C'est des enfants, ça? C'est. Il y a une tête carrée, le con. Mon estomac gargouille. Sinon, on mange. Ils font quoi? Il fait quoi avec ses mains là? J'ai besoin d'aide. Votre maman est malade, je vous en prie, aidez-nous. Oula, j'ai paniqué, pardon. C'est ce que je lui dis. Alors, notre maman a besoin de médicaments. Nous vivons à plusieurs pâtés de maison d'ici. Notre mère est très malade, elle a besoin de médicaments. Pourriez-vous nous en donner quelques-uns? Sans votre aide, elle va mourir. Depuis que notre père est parti au combat, il ne reste que notre mère. Je vous en supplie. Je vous en prie, sauvez-la. Oh là là. Oui, c'est clairement là les techniques de on envoie les gosses et ensuite on se fait une seconde. Tenez-moi au courant de votre décision. Là, tu te retournes, tu lui fais des gros doigts. Qu'est-ce qu'on lui dit là? C'est compliqué, hein. Pour moi, j'ai déjà un trade. Je vous en prie, aidez-moi. Alors, tu sais quoi, comme je suis bon samaritain, je veux pas t'aider. S'il vous plaît, vous pouvez peut-être changer d'avis. Ah! Ah! On sait pas là, on a peut-être envie de les aider, hein. Bruno, là, il est en train de tuer des gens. On peut peut-être l'aider, là. Faites preuve d'humanité. Ah, mais j'envoie Bruno. Mais Bruno, il va. Bon, j'y vais. Merci. Vite, apportons. Ah, mais c'est lui qui apporte le médicament! Hé, Boris? Oula, c'est sombre ce qui se passe. Mais Boris va jamais revenir. Je pensais que c'est moi qui y allais ou. Oh, quand les autres vont se réveiller, ils vont apprendre que Bruno a donné toutes nos ressources. On n'a plus de médicaments, c'était l'occasion de trade avec le voisin. Je me réjouis que Katia ait aidé les gens du garage. Ah, mais surtout que lui, il va pouvoir se fumer une petite clope, lui. C'est pour ça qu'il est saucé. Ah, faim. Bon, Pavel, moi, je pense qu'il a le droit de bouffer. Je sais pas ce que vous en pensez. Les autres. S'entraîner lorsqu'il se passe, c'est toujours bon. Bon, c'est pas mal. On voit qu'il y a de l'humain là-dedans. Bah non, mais du coup, je vais manger ça, là, la boîte de conserve. Hein. Regarde leur bio. Avant de me retrouver dans ce fichu pitrin. Ah, c'est vrai qu'on les a pas trop analysés. Fichu pitrin. Avant de me retrouver dans ce fichu pitrin, je vivais avec ma femme et mon fils dans la meilleure partie de la ville. Je ne les ai pas vus depuis longtemps, j'espère qu'ils vont bien. Je ne vais pas très bien, comme vous pouvez le constater. Qui a besoin de joueurs de football en temps de guerre? Personne ne s'intéresse au sport, quand chaque jour peut être le dernier. J'ai fouillé les ruines en croisant les doigts comme tout le monde. Oh non! Ces enfants sont très braves, risquer leur. Ok, donc ça, lui, ça l'a amadoué. Les enfants. Elle, bah, elle dort. Hein. Ils ont tout simplement pas refusé d'aider ses enfants.
Je suis la seule restante parmi tous mes amis et toute ma famille. J'ai rencontré des célébrités. Les lecteurs trouvaient mes interviews amusantes et percutantes. Pourtant, j'essaie d'écrire sur ma vie. Je sèche. Je veux retrouver ma famille et serrer mes parents dans mes bras. J'ai grandi dans cette ville. J'ai étudié à l'étranger. Et ensuite, j'ai travaillé comme journaliste. J'ai longtemps été absente. Ah oh, ouais, ok, d'accord. Elle est smart. Et lui ? Je tenais un resto. J'avais même ma propre émission. Ah bah oui, si, on avait vu. Ça, on avait vu. J'avais lu Bruno. Attends, va taper un peu en haut là, Bruno. C'est pas Val lui ? Ah, j'ai eu peur. Ah, pas Val, il va graille, hein. Elle a assez dormi, elle. Tout le monde a faim. Tout le monde a faim. Pas très bon, mais ça remplit le ventre. Il a plus faim. Ah, mais là, il nous faut des améliorations, hein. On est dans la merde sinon. Petit potager, merci pour les 27 mois. Merci Moons aussi pour les 2 mois. Merci beaucoup les potes. Bon, j'ai beaucoup de bois. Le bois, est-ce que ça peut me permettre de... Tiens Bruno, va te coucher un peu là pendant ce temps. Est-ce que le bois pourrait pas me permettre de craft des trucs? Est-ce que j'ai des trucs à craft ou zéro truc à craft là? Je crois que je suis en zéro truc à craft. Je peux craft une chaise, c'est léger. Pied de biche. Je peux toujours pas faire le pied de biche. Et l'arme. Oh, il m'en fallait juste un de plus. Et je pouvais faire un couteau. Oh, le couteau, ça aurait été bien. Et ça, peut-être on peut améliorer la plaque de cuisine. Ah non, il nous faut ça, là. Il nous faut ces matériaux, là. Il nous faut les petits trucs de fabricant, là, un peu chelou, là. Bon, bah, ça va dodo, hein. On n'a rien à bouffer, va falloir que Pavel sorte, hein. J'ai une hache. Ouais, mais j'ai quasiment tout pété, sauf la chaise qu'on garde. Et les lits, ouais, ce serait con, quoi. Est-ce que je vais envoyer Pavel avec une... partir collecter. Dormir dans un lit, dormir dans un lit. Afin de bonne humeur. Il va monter la garde un peu, le Bruno. Bon, alors. La question, c'est où est-ce qu'on va? Pour l'instant, on a visité le cottage bombardé. C'était pas mal. Il y avait un mec qui est passé, ça devait être un visiteur. Là, ça, c'est chez des gens. Il y a quantité énorme d'armes, de pièces. Le souci, c'est que chez les gens, soit on les tue, mais ça a l'air chaud. Ça va être compliqué, tu vois. Supermarché, il y a du danger dans le supermarché. Maison calme, il y a beaucoup de nourriture, beaucoup de médicaments, beaucoup de pièces. Est-ce qu'on se ferait pas un run, là? Prudence, échange possible, prudence recommandée. Oh, l'église Sainte-Marie, ça a l'air d'être le... c'est le four. Quantité énorme de matériaux, quelques armes, beaucoup de pièces. Ou sinon, je me fais un squat délabré. Des sans-abri vivaient déjà ici, bien avant la guerre. Ils ont toujours eu du mal avec le manque de nourriture. Il se pourrait qu'ils n'aient pas survécu aux récentes pénuries. Je pense... Non, ce supermarché, c'est trop risqué. Là, je me ferais bien un petit run... soit maison calme, soit squat délabré. Parce que c'est quantité énorme de matériaux. Après, un peu de médicaments peut ne pas faire d'armes, de mal. Et en plus, on peut avoir les armes. Mais squat délabré me chauffe bien. Ça a pas l'air de vous chauffer, vous. Il te faut de la bouffe. C'est vrai, ça. J'ai pas de bouffe. On va à la maison calme. Allez, c'est décidé. J'y vais avec la hache. Oh, j'ai presque plus rien pour la hache, hein. Est-ce que j'y vais avec la hache ou pas? C'est agressif, hein. C'est agressif, la hache. Mais on sait jamais, quoi. Comme arme optionnelle. Si jamais ça part en couille. Pas qui a prévu de manger des boulons. Mais t'as des conserves? Non, non, j'en avais négo une. Une et la pelle. Ah, j'avoue que la pelle, si jamais c'est la merde. Oh, bah attends, on est sur Pavlev. C'est quoi ça, déjà? Qu'est-ce qu'on fouille, là? On fouille une poubelle. Y a du cochon, hein. C'est bien, ça. C'est tout ce que je veux, ça. Du boulon. Non, je veux pas casser, moi. Je s'en fous de casser. Que les trucs sont intéressants. Bon, on va pas casser ça, on est d'accord. Hein, ça servira à rien. Ah, on pourrait récupérer des trucs dessus. Bah, attends, on attend de voir à l'intérieur. Sors la hache, on sait jamais. Sors la hache. C'est là que nous sommes rencontrés, tu te souviens? Oh ouais, mais là, ils vont être... Oh, il y a du couteau. Attends, je sors pas la hache au pire. Quelque chose va pas, mon chéri, s'il te plaît, fais pas ça. Non, fais pas ça. Il va me tuer? Quelle étrange visite. Elle me tue pas, hein. Il va me tuer, il fait quoi? J'espère qu'il ne reviendra pas. Mais je suis là, gros. Bah, je ferme la porte si vous voulez, monsieur. Comme ça, on est tous les deux là. On peut regarder à l'extérieur même. Monsieur.
Allez-vous nous tuer? Oh non, non, je veux pas vous tuer. Oh, mais ça va partir en couille, là. Genre, je l'ai pillé à vue? Mais je vais le tuer, là. Mister Joe, merci pour le prime. Je les vole, en fait. Je vous en prie, épargnez au moins ma femme, elle est malade. Y'a quoi là-bas, là? Moralement, tu en penses quoi? Ah, c'est border, là. Hein. C'est avec les bandits, j'ai entendu quelqu'un brioler. Oh non, il me fait de la peine! Mais je peux pas lui parler. J'aimerais bien le... Comment je lui propose un échange? Si je cours plus vite qu'eux. Il va être du père, il voit pas que je le vole. Oh non, c'est horrible, je suis en train de voler un vieux qui me court après. Oh, c'est infernal. Mais en même temps, nous, faut bouffer aussi, hein. Nous, avec les boulons, là, on bouffe pas, hein. Y'a Bruno qui meurt, hein. Épargne ma femme. Mais j'épargne ta femme, gros, là, je suis en... Attends, juste envie de voler la porte fermée si ça te dérange pas. Non, non, n'insiste pas, s'il te plaît. D'accord. Oh, c'est très border, hein, quand même, hein. Pourquoi prenez-vous ça? C'est à nous. Oh non, il me fait trop de peine, le papy! Comment pouvez-vous faire ça? Oh non, ça me fait un peu de peine, là. Mais j'ai juste besoin de manger. Il y a une lettre de papy Bernard. Nous sommes contents d'apprendre que tu commences à apprécier la vie avec Tata. La guerre n'est pas si terrible, mais ce n'est pas agréable pour les enfants. Il paraît qu'elle sera bientôt terminée, donc t'en fais pas pour nous. Mamie, oh non, je peux pas les voler. J'aimerais pas qu'on vole mon... Bon, je m'en vais. C'est comme si vous m'avez pas vu. Oh, le frigo, il fait envie. Je vous en prie, appelez mon mari. Il arrive. Michel! Oh non, c'est horrible. Trop tard, t'as volé les médocs. Repose. Ouais, mais là, du coup, est-ce que je vole tout ou pas? Est-ce que je suis un vrai enculé ou pas? J'avoue que j'ai volé des médocs. Mais les médocs, c'est parce qu'on se les a fait carottes pour les enfants, d'accord? Tu es un monstre. Alors, je suis désolé. Les médocs, c'est de la faute des enfants. Non mais genre... Est-ce que je peux vous prendre un peu de bouffe? Pas tout, mais juste un peu, sinon on meurt. Juste voir ce que vous avez. S'il vous plaît, laissez-nous quelque chose. Hé, hey, tu sais quoi? Je te prends juste ça. Attends, je te laisse le nounours. Comme ça, je te mets bien. Je te prends juste un peu de poulet. Je lui prends juste un peu de poulet. Non, limite, je suis même trop cool. Je lui prends juste un peu de poulet, les conserves. Ouais, mais ils vont crever si on les... Non, non, je leur prends ça. Rends les médocs. Ah, oh, je sais pas, je suis partagé avec ma conscience. Ou alors je rends les médocs. Comme ça, sa femme meurt pas. Ils auront pas de bouffe. Ah non, si, je suis obligé d'avoir ça. Hein. Je suis obligé... Tiens, j'ai plus ça aussi. Ah non, je suis obligé d'avoir ça, je suis désolé. Tiens, un peu de tabac. Je sais qu'il fume. Non, non, mais comme ça, il est bien. Allez, on part. Allez, on s'est jamais vu. Oh, je casse juste ça rapido. J'espère qu'il reviendra pas. Attends, j'éclate juste ton jardin, vite fait. Parce que j'ai besoin de boulons. Et ça va me donner pile les boulons que je voulais. Regarde bien le génie. Voilà, ferme la porte, c'est bon. Pas fou en boulons, hein. Ah, mais du coup, ça va pas m'avancer. Y a rien, là. Pièce. Ah mais le bois j'en ai pour... Oh là là. Bon c'était border, là ça m'a remis en question là. Est-ce qu'on va être des enculés ou pas? Moi je pense qu'on va devenir des enculés. Hein. Déjà moi laisser les gosses ça m'a... Viande supérieure à conserve. Non mais c'est pour t'expliquer à quel point j'ai été... Il y a un mec chez moi? Ah non c'est Bruno. Nous avons été pillés. Quelqu'un est venu ici. Mais Bruno... Quelqu'un est venu... Mais tu vois! C'est chacun pour sa gueule ici! Quelqu'un est venu ici pendant la nuit pour s'emparer de nos affaires pour la force. Bruno a été légèrement blessé. Ouais, mais Bruno aussi, c'est une salope. Hein. Ça, on l'avait senti dès le début. Hein. Quelqu'un essaie de nous voler.
Ils ont dû avoir plus peur que nous, donc ils ont réussi à causer que des dégâts mineurs. Nous avions des armes, mais pas assez pour tout le monde. Bruno a été blessé, mais les agresseurs n'ont rien volé. Nous devrions davantage monter la garde. Bon, heureusement qu'on a volé la garde, déjà. Déjà, Bruno... Légère blessure, a besoin de repos. Bruno, est-ce que tu nous ferais pas à bouffer? Pendant ce temps, lui, il va aller dormir. Là, est-ce qu'on peut améliorer un peu notre truc? Ah non, mais le vieux, il s'est vengé. Hein. Le vieux, c'est un mec de la mafia. Tu vois, il me manque 6 ici. En vrai, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Peut-être un pied de biche. Déjà, si on peut graille, c'est cool. Il est légèrement blessé. Bon, on va lui faire un petit... On peut rien faire, on peut rien faire. C'est des boulons, moi, qu'il me faut. Moi, je suis clairement dépendant aux boulons, là. Je vous le dis. Hein. Pavel, c'est un... Allez, fais-nous en 3, là. Que chacun mange à sa faim. Pavel, c'est un mec qui... On sait pas trop ce qu'il fout, Pavel. Pavel, il joue au foot. Malheureusement, bon... Les tendons, quoi, qui... Légère blessure. Légère blessure, je mets juste un bandage. Des moments pas évidents. Merde, Unknown. Putain, j'ai vu ton message, d'ailleurs, sur... Ah non, pardon. J'ai vu ton message sur Insta, merci. Allez, on fait chacun à bouffer, là. Allez, on mange tous. Toi aussi, tu vas pouvoir manger. C'est quoi ton record de jours? C'est mon premier run. Et pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui découvraient aussi, mais... Très sympa. Très très sympa. Laisse-le dormir, il va dormir, il va guérir tout seul au bout d'un jour. Fallait pas m'en dire plus, hein. Alors mets-nous un peu de radio, toi. Ça tape. Il y a quelqu'un à la porte. Oh là là. Un beau spécimen, ça. De bonne humeur. J'envoie juste Katia ou j'envoie un deuxième? Mais genre, est-ce que le mec peut être forcené? Genre, et d'un coup, péter tout, là? L'Arca Gaming, bienvenue à toi. Merci pour le sub. Je n'ai pas d'armes, je veux juste échanger. Bon, vas-y. Passons à marcher. Ah, c'est l'oreille. Vas-y. Excuse-moi, désolé, bug un peu. Alors, qu'est-ce que t'as à me filer, toi? Moi, j'ai besoin de full boulon. C'est quoi, ça? Alcool de contrebande. Mais on n'a pas envie de se péter la gueule, là. Enfin, j'avoue qu'en vrai, quand t'es solo, t'as peut-être envie, au bout d'un moment, de te bourrer la gueule. Hein. Mais c'est quand t'es désespéré, on n'est pas encore désespéré. Moi, j'ai besoin de quoi? Moi, j'ai besoin de boulon, moi. Moi, je suis un gars qui a besoin de boulon, mais comme jamais. Qu'avez-vous à offrir en échange? J'en ai besoin de combien? De pas mal de boulon, hein. Et en vrai, de un truc comme ça. De légumes. Ah, de la bouffe, c'est vrai, un peu. Ah, mais là, j'ai besoin de trop de trucs. Si je mets le diamant, pas assez, revoyez votre offre. Et 3 bouquins. Oh, ça aurait été propre. 3 bouquins et un peu de bois. Oh! On en pense quoi? Après, c'est que des boulons, hein. Des boulons et du bois, tu en trouves partout. Ah, mais là, j'en ai pas trouvé, là. Là, ça fait beaucoup, peut-être. Ça fait beaucoup de livres, hein. Peut-être qu'il peut me donner un peu plus, genre une clope de plus. En final, c'est la bouffe qui va nous manquer. Mais là, si je lui demande une conserve, ça y est, c'est fini, là. En vrai, le poulet, il est bien. Le poulet, il nous mettrait très bien. Je lui mets une petite herbe en plus. Je lui mets 2 petites herbes, 3 petites herbes, 4 petites herbes. Enfoiré, va. Mais du coup, file une clope. Bâtard. File une carotte. Oh, je t'en mets des herbes. Ok. Les pièces d'armes, pas tout de suite. Au moins, j'ai ce qu'il nous faut, là. En vrai, mais lui fout le bois. C'est vrai qu'en termes de bois, je suis bien. Ça peut être bien. Genre, j'ai 4 plantes, 6 trucs de bois. Ah, mais le bois, ça va être la merde. En vrai, ça, on s'en sert jamais. On s'en sert jamais des herbes. Vas-y, on sert jamais des herbes, là. On sert jamais des herbes. On s'en fout. Je vais récupérer de la bouffe, des boulons, et de quoi faire une arme. Vous faut autre chose? Non. Allez, ça va, ça s'en va, là. En vrai, on est très très bien. Ce qui fait qu'on va pouvoir améliorer notre truc. Elle prend du café. Ah, c'est vrai qu'elle aime bien le café. Mais au point où, enfin, ça va, faut changer ses habitudes, hein. J'améliore. Un atelier sera amélioré. D'objets d'art. Bah, vas-y, on va voir ce que ça fait. Je pense, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est l'évolution du jeu, quoi. J'imagine.
Neliama, merci pour le 36e mois. Putain, Ating, pardon, aussi pour le 13e mois. Nayos, 2e mois. Ah, oh, Maïp, putain. Tu dis ça le truc, toi. 2 mois, plein de gens qui sont à 2 mois. Il y a Sir aussi, la Kelvin, qui est à 3 mois. Plein de subs assez récents. Je débloque plus de craft, ok. Je suis dans un bon... Est-ce qu'on... Non, c'est impossible de mourir avant, là. La chance qu'il fasse pas froid, ici. Oh, poil rudimentaire. Atelier, ah ça j'ai déjà. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, un fauteuil. Ah, c'est pour pas qu'ils deviennent fous. Oh, des barricades. On barricade, mais on va devoir barricader partout. Ça va être chaud à barricader. Jardin de plantes. Il nous est possible de faire pousser des plantes. Ah, mais en fait, c'est Minecraft, là. On va reconstruire une maison, là. En vrai, le plus important, c'est le chauffage, hein, je pense. Bon, j'ai repris des forces. T'es qui, toi? Ah, t'es Pavel? Il a faim. Ah, bah, tu peux grailler, c'est cadeau. Parce que sinon, ils vont revenir. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait, là? Oh, elle est barricadée, ok. Ah, d'accord, j'ai cliqué une fois, ça a barricadé automatiquement. Parfait. On va faire la radio pendant ce temps aussi. Sandcrew, merci pour le 6e mois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les charnières ont été découvertes dans la ville de Gravia. La masse sécurisée de la zone est interdite de l'accès aux journalistes jusqu'à la fin de l'enquête. Ouais. Vous écoutez Radio Pogoren. Nous avons le regret de vous annoncer que notre collègue s'est laissé ce matin. Bah, il est décédé tous les matins ou quoi, le gars? Ah bah, ouais, enfin... Il s'agirait de garder un peu de tenue, quoi, monsieur. Nous aussi, on galère. Là, il y a un message. L'air est frais avec des nuages et des risques de pluie. Notre conseil pour les nuits froides, prenez un bon livre et une tasse de thé chaud et relaxez-vous dans un fauteuil près de la cheminée. Ouais, c'est tag, hein, quand même. Hein. Là, on sent qu'on est en situation tug un peu. Hein. Allez, cours, Pavel, là. C'est les mêmes news, c'est rien de nouveau. Ok. Et c'est pas chiant de... Après, on barricade partout, quoi, du coup. Ah, c'est pas mieux de barricader, là? Là, ça barricade les endroits un peu chelous, quoi. Barricade, tu vas pas regretter. Ah, tu me donnes envie en me disant ça. C'est quoi le jeu, les potes? C'est This War of Mine. Un jeu qui avait l'air très solide et que du coup on se fait. Tu voulais pas faire le couteau? Oh, j'ai le couteau à faire aussi. Attends, oh merde, bien vu. Ah, le couteau, je pense que c'est mort du coup. Oh, je peux faire le couteau. Ah, je peux pas. Je peux faire le couteau. Ah, je me fais un petit couteau. Ah, je me fais 100% un petit cut. 100% on se fait un petit cut. Je renvoie Pavel, hein. Je pense, hein. Je pense que je renvoie Pavel. Oh ouais, là c'est très très bon ça. Et là, du coup, ça... Ce que je comprends pas, c'est que... C'est pas nos portes, en fait, que ça barricade. On sait pas trop où on barricade. On barricade une fois qu'on est déjà à l'intérieur, nous. Bon, allez, le dernier truc de barricadage, hein, du coup. De bonne humeur. Non, Bruno, honnêtement, il fait que dormir. Le meuble dans la cabane, casse-le. Ah, il y a ça aussi, bah tiens. Oh, merde, j'ai réveillé Bruno. Oh non, j'ai pas besoin de repos. Rendors-toi, Bruno, rendors-toi. Bruno, c'est le mec, il est venu faire Koh-Lanta. Dès le début, il se pose. Il pose son cul. Il attend à bouffer. Il fait perdre toutes les épreuves, Bruno. Il pose son cul, il attend la bouffe. Jojone, merci pour le 5e mois. Ouais, on barricade les fenêtres. Knife Domingo, pas cut. Je t'ai rendu un cut. Oh putain, c'est étonnant, je dis ça. Moi, j'avais ça. Bruno, c'est le cuisinier. Ouais, ouais. Bah. Vas-y, Bruno, vas-y, cuisine. Bon, parfait. Bon bah là on est tous bien, hein, je pense, hein. On n'a pas grand chose de plus à faire là. On retourne là-bas, mais je crois que de toute façon on a plus les boulons donc. Et si je laisse la porte ouverte, c'est la merde ou pas? Question un peu con mais. C'est chill en tout cas, putain, c'est très sympa. Non, Osef, ok, ouais, c'est bien, ça m'aurait fait un peu chier pour être honnête. Je vais pas la fermer à clé. L'île est bio. Bah en gros, lui, il fume. D'ailleurs, va falloir lui allumer sa petite clope. Hein.
Donc c'est un cuistot star. Quand on tombe sur un... Donc j'avoue qu'il peut nous mettre bien. Pavel, c'est la rockstar. Et elle, c'est la journaliste. Qui boit du café et qui en a pas. Et d'ailleurs, est-ce que je lui ferais pas un pot de café, là? Mais j'ai pas de cacao. Enfin, pas de cacao. De cacao pour le café. Bon, ça, c'est bête, hein. Bon, on va terminer la journée, hein. Cherche les ressources que t'as besoin pour craft. C'est vrai que ça, c'est pas con, ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut, concrètement? Je pense qu'on veut bientôt un chauffage. Il nous faut... Ah, il nous faut du boulon, hein. On est tout juste en bois, il nous faut du boulon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Distillateur, non. Atelier de plantes, pas spécialement. Piège pour animaux, peut-être. T'as des bio chaque jour. Ah ouais. J'espère que ces personnages ont de la famille qui les aide, nous ne devrions plus les voler. Ah ouais. J'en suis pas fier, mais j'ai été forcé de voler ces pauvres gens. Ah, j'aurais dû tout leur voler, du coup. Hein. Quitte à ce que ça les... N'importe où, comment Pavel se procure la provision, je suis heureux qu'il soit parvenu les mains vides. Ouais, voilà, lui... Bruno, tu sens que c'est un gars, honnêtement, hein, au troisième jour, sans bouffer, il se réveille et il te... il est sur tes rognons de doigts de pied, là. 100%. Futter, qui a lâché son prime, et Elgone, qui a lâché son sub, bienvenue à vous deux, merci beaucoup. Et Bibo, pour un troisième mois. Alors, qui est... en fait, il n'y a aucun intérêt d'envoyer... Non, non, dors, toi. Dors, Bruno, tu nous pètes un peu les couilles, là. De bonne humeur. J'ai envie de le faire partir collecter, hein. Et Katia qui va monter la garde. Hein. Le truc, c'est on va où? Dans le squat, hein. On a un peu d'armes, ouais, quantité d'armes de matériaux, quelques armes. Beaucoup de pièces. Échange possible. Ou sinon, je vais à l'église Sainte-Marie et c'est Katia qui y va. Katia qui va à l'église pour troquer un peu. Au supermarché, il y a quoi? Quelques médicaments. Ou alors c'est Pavel. Soit Pavel va au supermarché, soit Katia va à l'église. Ou alors un petit squat avec Ouais, c'est petite couille, ça, hein, le squat, là, je pense. Parce que énorme de énorme de matériaux, ça peut nous mettre bien. En vrai, Pavel dans le squat, hein, je pense. Parce que en vrai, le squat, il y a beaucoup de matériaux, ça va nous mettre bien. Et on fera demain supermarché où je pense que c'est mieux. Je prends un couteau, mais vraiment pour le kiff, quoi. Guidel, merci pour le 42e mois. Putain, ça commence à faire, là. Oh, il y a plein de trucs en plus. Bâtiment bêtement en ruine. Prépare à montrer le couteau. Supermarché, c'est tendu. Ouais, ouais, tu vois, là, il y a du boulon, là. Ah, mais déjà, on est en full loot, quoi, quasiment. On check qu'il n'y ait personne. Je vais commencer à tuer, hein, sinon. Hein. Ah, j'ai un peu peur parce que j'avoue que j'aurais pu passer au souterrain. Peut-être mieux de passer au souterrain. Oh là là, il y a quand même beaucoup de choses, hein. On va tomber sur des mecs au bout d'un moment, là. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde dehors. Enfin, en bas. Ok, on prend tout. On est bien en boulon. On a trop de trucs limite, il va falloir faire un choix. Là, c'est bizarre, s'il y a ça, ça veut dire qu'il y a un mec qui va venir à un moment ou à un autre. C'est bien ces pièces métalliques-là, là, là. Le bois, j'étais bien, j'étais tout juste. Pièces, diverses pièces mécaniques permettant de créer et de réparer des appareils complexes. Ah, mais j'ai pas ça, moi, encore. Pourquoi ça fait ce bruit, là? Oh, j'ai cru qu'il y avait un bail. Pardon. Laisse les glaçons. C'est du sucre, moi j'en ai déjà beaucoup. En vrai, je peux faire ça. Ça met une sale ambiance, là, d'un coup. Si je check en haut, quand même. Il y a peut-être un petit bail en haut. Après, il y a peut-être des gens, mais c'est greedy, hein. Mais s'il y a mieux ou même à échanger, tu vois. Si, genre, on a des médocs, par exemple. Ah, il y a beaucoup de choses, quand même, là. Ah, la maison est grande, hein. Ah, mais là, je suis en train de... Bon, c'est bon, j'ai full stack. J'ai full stack, mon bail. Cours pas, ça fait plus de bruit. Ah, ok, c'est ce que je me disais. Ok, on se barre, on se barre. Je suis pas full. J'étais full? Comment ça, je suis pas full?
J'avais une caisse de boulons pas pleine. Oh non. Oh, c'est dommage ça. Bon, c'est pas si grave que ça, parce que c'était pour quoi, deux boulons? On a fait quoi, 4x4? Et ensuite 4x3 des pièces, non? C'est pas ça qu'on va avoir? 16 et 12? Alors 17 et 8. Ah, j'en avais qu'un de ça? Oh, mais un peu con quand même. J'avoue, un peu con. Bon, lui, il va se reposer direct. À faim. Bon, cuisine pour tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Besoin de repos. Bon, repose-toi aussi, alors. On a plus d'eau. On a juste plus d'eau, en fait. On peut pas bouffer. Oh, le cauchemar. Ah, le coach. Ouais, bah manger une petite carotte du coup. Ah, toujours faim. Ah, demain va falloir calage des mecs. Hein. Je sais pas qui, mais va falloir commencer. Il te faut un récolteur de pluie. Bah, il va nous faire un récolteur de pluie, le Bruno. Tu sais faire ça, Bruno, de toute façon, hein. Récupérateur d'eau de pluie. Bah, il sait exactement faire en plus. Alors, on le place où? Non, parce que moi, c'est mon premier récolteur de pluie. Mais j'aurais dit qu'il faudrait que ça soit dehors, quand même. J'aurais dit. Je vais le mettre là, là. Sylvino out. Mais non! Limogé? Baticle. J'espère que Baticle aussi est out. Oh non, le communiqué précise Baticle en intérim pour la... Oh non, me dis pas qu'on a Baticle, putain, c'est le pire mec. Sylvino, c'est qui? C'est l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, l'équipe que je supporte. Et ça se passe pas très bien si tu suis pas du tout le foot. Combien? Durée. Composants nécessaires. Ah, c'est un filtre pour 4 trucs de pluie. Ouais, c'est pas ouf, quoi. Si tu peux, ferme tous les trous de la maison. Les trous, comment ça? Ah, ça parle foot, ouais. Tu as dû le mettre dans le cave pour pouvoir mettre un distillateur à côté pour faire de l'alcool. Où sont mes cigarettes? Alors ça va être naturel. Comment je lui fais fumer une clope? Question un peu con, hein, mais... Faut barricader la maison. Après, on barricade pas mal, là. Là, honnêtement, on est en grosse session barricade, hein. Je suis drôle, l'OL. Faut que... Non, il sait pas. Il fume tout seul. Ah, il fume tout seul. Et du coup, Ah oui, il a fumé la clope, en effet, d'accord. Ah, il nous le dit même pas, quoi. Captain 666, merci beaucoup. Et là, il va nous faire un tout petit peu d'eau, ça. Ça fait que 4 d'eau, ça. J'ai que 2 d'eau pour l'instant. Non, non, vas-y, vas-y, va ici. Ah ouais, ok. Zébus, je passe pas au 13e mois. J'ai envoyé ma coordinateur pour Domingo Popcorn. J'espère qu'elle retiendra ton attention. Bah écoute, y a beaucoup de gens, mais très cool du coup. Merci, merci à toi. Tu dois créer des filtres avec des boulons. J'ai vu, les filtres, c'est en bas là. Ça là. Mais il me faut trop de trucs, hein. Et là, je dois attendre ça, quoi. Concrètement. Ouais, Popcorn. Merci, Rectaï. Erreur, Domingo. Erreur? Comment ça, erreur? T'es pas mort encore, non? Erreur, erreur. Mais non. Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'homme aux 70 000 colonnes de puissance? C'est ça? Mais non, me dites pas que c'est ça. Erreur, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a, l'Oclear? Qu'est-ce qu'il a? Locke a vu le clip MDR. Lequel? Des 70 colonnes? Arrêtez, les gars. Me dites pas que vous êtes en train de m'enclencher. Je suis en train de me faire enclencher, là, comme ça, tranquillou. Or que je suis sur... Or que je suis sur This War of Mine et je suis en galère. Je suis même pas en galère. On va t'enclencher. Alors ici, vous allez vite prendre un... vous allez vite prendre un Nightbot. Vous allez comprendre la différence. Excusez-moi, les subs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste leur mettre un petit peu de... Mettez-leur un peu de Domingo Sueur dans le chat, juste pour faire comprendre qu'on est à domicile, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Alors attends. Mais lui, du coup, il a fait ça. Donc on a récupéré de la pluie là. Un petit peu de Team Pax, un petit peu de tout, vous faites, hein, vous. Je compte sur vous. Ok, lui il va faire ça, mais on va plus en avoir bientôt. Donc on va pouvoir. Matériaux. Eh ouais, il a pas le filtre. Parce qu'on a pas le bail. Donc on est niqué. Et là on peut faire quoi? Deux soupes. Ouais, va falloir qu'on dorme et qu'on fasse. Et qu'on fasse des bails. Parce que là c'est un peu chaud. Tout le monde a faim. Au moins il s'est passé quelque chose. A toujours faim. Bah elle, c'est celle qui est supposée avoir le moins faim. Donc on va la faire manger en dernier. Et on va attendre tranquillement. Il y a moyen de craft un sac, c'est chaud l'inventaire. Ouais, c'est un peu chaud l'inventaire, ouais. Craft des filtres. J'ai pas assez de boulons. Je l'ai vécu comme ce derby. Oh les gars, vous êtes en. Vous me parlez des mauvais sujets là. Vous me parlez vraiment des mauvais sujets. J'ai que deux trucs là, faut que je parte en expédition. On mange, on se refait un. On va envoyer, je pense, elle, hein, Katia. Hein. Ah non, je vais envoyer Pavlov là. Je vais envoyer Pavel et Bruno en. Ok, on va faire ça. Et une queue surveillée. La bouffe, je pense que je leur donne trop. Je pense que je leur donne trop et trop rapidement. Bruno a pas pu fumer. Bruno, il commence à nous emmerder. Hein. Voilà. Dormir dans un lit. Toujours faim, de bonne humeur. Partir collecter. La question, c'est je pars collecter où? Oh, il y a des nouveaux lieux. Le jeu est incroyable. Hein. C'est un peu deep. Mais le jeu est vraiment, le jeu est vraiment incroyable. Je pense que je prends trop de bouffe. C'est comme 60 secondes. Faut rationner beaucoup plus. Quantité énorme de matériaux, quelques armes. Je pense que je retourne au squat en vrai. Hein. Je pille le squat de A à Z. Hein. J'y vais sans couteau. J'y vais sans rien. Je peux partir à deux, je pense. Ah non, c'est l'un ou l'autre, tu vois. Eh, c'est pas... C'est dommage, ça. Je vois que ça aurait été cool. Ah, mais il nous faut de la bouffe aussi. Oh, putain. Ah, ça devient chaud, hein. Hôtel, c'est nouveau. Prudence recommandée. Quantité énorme. Quelques nourritures. Sinon, je vais tuer les vieux, mais c'est chaud aussi. Hein. J'ai vu pour Sylvigno, ouais. Ah ouais, les potes. Thierry, pardon, qui vient de lâcher 10 subs. 46 subs offerts ici. Merci beaucoup pour... Merci beaucoup pour les 10 puissantes. Je me bute. Locke me bute. Rome, merci pour le 3e mois aussi. Merci beaucoup, Thierry, pour les 10 subs. C'est très gentil. Merci à tous. Bienvenue. Faut planter un peu. Non, mais là, il nous faut de la nourriture. Il nous faut de... Prudence recommandée. On n'a pas fait la maison mitoyenne, mais il y a marqué danger. Ah, je me tâte, hein. Il faut un truc de bouffe. Petit immeuble, beaucoup de nourriture. Ou sinon, j'y vais et... Prudence recommandée. Quantité énorme de nourriture. Vas-y, on va aller le voir. En fait, il nous faut des boulons. Il nous faut des boulons. En gros, la priorité, c'est pas ces boulons-là. C'est les boulons comme ça. Qui nous permettront de faire de l'eau et tout. Et on voit. J'y vais sans couteau. J'y vais sans rien parce qu'à chaque fois... c'est bon, là c'est prudence. Il n'y avait pas marqué danger. J'ai des doutes sur la façon d'aller là-bas. Ouh là là. Oh bah non. On me dit pas que direct il y a un truc très chiant là. Ah bah ici on peut fouiller direct. On veut de la bouffe hein. Quelqu'un laisse un message. Thomas le passeur dit que nous ne pouvons plus attendre. Rejoins-nous à minuit au port si tu le peux, je prie pour toi. Ah, il y a encore un étage en haut. Putain, le jeu est vraiment bien en vrai. Il faut essayer de l'autre côté. Ah mais le souci c'est qu'on peut pas passer en fait. Cette porte est barricadée. Oh mais c'est un enfer, je suis obligé de monter tout là-haut. Avec un truc où on peut se cacher, ça veut dire qu'il va peut-être y avoir quelqu'un. C'est ici qu'on peut passer. On va peut-être se cacher ici. Hein. Là on note qu'il y a une cachette là. Oh mais il n'y a pas grand-chose ici. À chaque fois il va falloir tout déblayer et ça je vais devoir tout check. Ça va être compliqué. Hein. Nemrod, merci pour le 2e mois. 2e mois aussi de Chizu. Plaisir de suivre tes lives après le boulot. Ces cadavres, ils sont horriblement mutilés. Ces blessures ont été infligées avec une telle cruauté. Le responsable ne peut être qu'un psychopathe dérangé. Oh là là, on n'est pas en bonne ambiance. Là. Ah, je peux voir d'ici. Attends, bah, je vais fouiller déjà.
Oh, j'ai tout pris. Mec, je suis trop bien. Je suis trop bien, en vrai. J'ai tout ce qu'il me fallait. Enfin, plus de bouffe, en vrai. Oh, not a good news. Not a good news at all. Lui, là. Et je peux pas péter la porte. Oh, ça va prendre trop de temps. Saleté de vermine. Mais je suis trop con d'être tombé. Mais j'aurais jamais dû faire ça. Y'a un mec là. Y'a rien ici. Mais je suis trop con. Mais je suis un abruti fini. Ça servait à rien de casser cette porte. Descends. Parce que là, y'a des trucs. Mais le souci, c'est que si je saute là... Attends, parce que... Est-ce que le mec... Ici, y'a quoi, là? Ici, faut qu'on enlève. Est-ce que j'enlève? Ils vont me tuer, vous pensez? Parce qu'après, j'ai des boulons. J'ai un peu de bouffe, mais... J'ai pas tant de bouffe que ça. Ils sont loin, tranquille. Vous pensez on... Mais pas obligé... Là, vous paniquez. Hein. Vous êtes en situation de panique, là. Moi aussi, j'ai un peu paniqué. Le truc, c'est concrètement, on a quoi? On a une conserve qui va nourrir une personne. Le souci, c'est que les autres, je peux pas les nourrir parce que j'ai plus rien. En vrai, je suis safe, hein. Je pense que je suis bien, faut pas paniquer, là. Il y a un tas de cadavres à l'étage et ils se demandent s'ils vont le tuer. C'est vrai que ça... C'est... Mais je pense, par contre, que... Quoi qu'il arrive, je suis obligé de taper ça, là. Par contre, après, j'avoue que j'ai pas d'arme non plus, quoi. C'est quoi, ça? On voit la porte, là? Il y a une porte qui s'est ouverte? Ouais, il y a des portes qui s'ouvrent, là. Mais on le voit si c'est en bas, genre, s'il y avait un mec en bas, là. Une pelle me serait vraiment utile. Bah, fais ta vie, Pavlov. Pavlov, il y a marqué bon coureur. Ah bah là, le gars... Je pense qu'on déblaye et on check un peu si ça vaut le coup. Parce que si ça vaut le coup, on pète cette porte, on remonte tout en haut, on passe là, on fouille ici, et on ressaute ici et on se barre ici. J'ai encore de la place. Et le bois me sert pas à grand chose, là. Si j'ai encore de la place pour des conserves. Il y a une échelle en plus, donc, pour check. Mais là, le souci, c'est qu'on voyait qu'il y avait un mec ici. Donc, il y a un frigo, je crois, en face de toi. Putain, le gars, là, il en peut plus, là. Je fais une onde si ça arrive. On peut nourrir une fois sur deux, les gars, fouille à fond. Je pense qu'il nous faut de la fouille. La nuit, c'est trop important dans le jeu, là. Faut pas... Putain, c'est vraiment sympa comme jeu. Je savais pas trop à quoi m'attendre. J'aime bien ces trucs-là aussi de... C'est cool, vous êtes dans un bon mood pour ça, pour de la découverte. L'ambiance du jeu est stylée. Ouais, de dingue. 3 heures pour casser le bazar. Après, ça avait l'air d'être un sacré tas de merde. C'est notre guerre ou c'est ton OP? Non, mais il y a marqué partout quand je fais des OP, les potes. Je vous ai spammé la semaine dernière avec des tweets, avec des titres de live, hashtag ad. C'est pas pour rien. C'est pas pour que quand il y en a pas, que vous pensiez que c'en est. Attends, je regarde juste. Ah, il y a le mec là-haut. Il y a le mec au-dessus. Hein. Ok. D'accord. On va pas ouvrir. Il y a peut-être un petit bail à fouiller gratos. Ils vont dans le frigo. J'espère qu'ils vont pas revenir par là. Hein. Que les trucs sont d'intérêt. Oh, c'est très décevant. Faut que tu partes avant la fin du chrono. Oh, j'avais même pas vu le chrono. Bah, je pense qu'on se barre. Hein. Parce que là, s'il y avait un mec là... Ouais, là, on pourra jamais sauter de là, là. Là, c'est fini, honnêtement. Les mecs sont armés et tout, ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien, je pense. On a plus trop de temps et tout, en plus. On a bien vu. Je pense qu'il y a des choses à faire, ici. Hein. Ici, il y a des choses à faire. Je dois rentrer en 5h du matin, ouais. Sinon, qui va peut-être t'ajouter, c'est fait, on en discutait avant. Ouais, toute la soirée, du coup, j'en vends. Bon, jour 7. Déjà... Ah, la première game, je vous le dis, hein, c'est une win. Faudra venir armé. Regardez un peu tout ça. Bon bah on a une boîte de conserve quoi. On a surtout des boulons. Les boulons c'est pas mal. Merci Kyo pour le 43 mois. Putain 43 mois de sub. Vous êtes nombreux maintenant à commencer à avoir plus de gens. Même 30 mois c'est énorme, 30 mois de soutien. Plus de 2 ans et tout, c'est hallucinant. Alors besoin de repos. À faim. Est-ce que... Ah mais là pour l'instant je peux rien faire à manger quoi. Là c'est quoi la priorité? Besoin de repos. Bah dors toi. À faim, de bonne humeur. Pavel à faim. Bon, elle, on va la faire bosser. Là, c'est quoi l'objectif? On se dit, qu'est-ce qu'il nous faut? Un piège pour petits animaux. Est-ce qu'un piège pour petits animaux, c'est pas intéressant? Sachant qu'on est toujours en galère de... On est toujours en galère de bouffe.
Le filtre à eau, ça peut être bien aussi, mais quoi qu'il arrive, le filtre à eau, ça vient après. Je pense que le piège pour animaux est pas mal. On le place où? Bah moi je l'aurais bien placé genre... Là. Sauf qu'on le voit pas quoi. J'avoue qu'à la cave c'était mieux. À la cave c'était juste mieux en fait. Deuxième mois de Mad Blitzer, poser le stream avec mon popcorn. Aïe aïe aïe, Tom Tom, 38 mois comme je vous disais. J'adore ce jeu, bah merci frérot. T'as pas une cave dans la maison? Ah, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Bon, pour l'instant, on n'est pas si mal. Mais du coup, est-ce qu'il y a un truc où on... Le chauffage commence à baisser, il nous faut un chauffage aussi. Hein. Le chauffage va enfin, commence à faire 16 degrés, là. Annule, là. Ah non, ça va être super, tu vas voir. Combien ? Composants nécessaires. Bah, jamais de la vie, je vais... Pour avoir un truc comme ça, il me demande... Ah non, ça t'en fait deux. Ah, mais je suis obligé d'en mettre... je suis obligé de mettre un petit piège. C'est ça que j'ai compris. Je suis obligé de mettre un petit piège, mettre un peu de bouffe. Enfin, un appât. Ah ouais... Un pour deux. Ouais, mais je sais pas si ça vaut le coup de mettre ma conserve. La conserve, ça a l'air insane. La conserve a vraiment l'air insane. On va utiliser ça. La conserve, je pense, faut la garder. C'est l'erreur, je pense. Wood, merci pour le troisième mois. La conserve, c'est genre, elle te fait tout, quoi. Alors qu'une petite aile de poulet... Non, pas de filtre à eau. Si, c'est pas mal, un petit filtre à eau. Ça a l'air compliqué. Si tu viens d'arriver, ouais, c'est pas simple. Faut être un peu dedans et tout, quoi. Une poêle plus efficace, il me permet de cuire de la nourriture plus efficacement et d'économiser le combustible. Ok, mais j'ai déjà tout mis dans le filtre à eau. Alors, qu'est-ce qu'on a? En gros, c'est un peu un truc de... Généralement, le craft me fait chier, tu vois, pour tout dire. Là, le craft me fait pas trop chier. Donc, c'est plutôt bonne nouvelle. C'est le chauffage que je voulais faire. Au moins, il fait chaud. Ah, mais tu vois, ils ont pas l'air relou par rapport à ça. Et il me manque des petites... De toute façon, dans toute notre vie, il nous manque des boulons. Comment est-ce qu'on peut craft des sacs améliorés? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être intéressant, ça. Tu peux pas. Déjà, comble les trous. Bah, je vois pas les trous. Dragbar qui lâche 7 subs. Dragbar aussi, un ancien de la chaîne. Merci beaucoup, Dragbar, pour les 7 subs. Vous pouvez le remercier. Merci beaucoup. C'est du bois qui manque. C'est des mods, y a pas. Chaque perso a sa capacité. Bah là, faut que je dorme, quoi. Je t'aime, père. Oh, mon drac, merci à toi. Là, il me faut de la bouffe, hein. On va juste en pot et on va repartir en expédition, hein. Assez dormi. Où sont mes cigarettes? Ah, lui, il nous pète déjà les couilles. Merci, petit Kev, aussi. Là, on repart, hein. Moi, je pense qu'on repart direct, hein. Drac Barkiro, France, oh lolo, c'est beau. Bon, lui, il va monter la garde. Elle va dormir. Et lui, il va partir collecter. Où est-ce qu'on va? Il commence à y avoir beaucoup de choses. Danger. Villa en ruine. Beaucoup de médicaments. Là, on était où juste avant? On était dans l'hôtel, c'est ça? L'hôtel, c'est chaud. Ou alors, ce que je fais, c'est que j'envoie Katia à l'église. Faut qu'on troque, hein. Je pense que c'est pas mal si on troque, en vrai. C'est peut-être bien, c'est peut-être le moment de troquer, là. Nidwild, merci beaucoup. Nidwild, plutôt. Où est-ce qu'il peut y avoir marqué des... Je pense que c'est bien d'envoyer Katia à l'église. Et on essaie de troquer comme on peut. Parce que là, ça commence à être chaud, sinon. Ça va être vraiment technique. On peut pas aller à deux, non. Villa pour la bouffe. Mais j'ai besoin de bouffe aussi. Mais la bouffe, je vais l'avoir dans le troc. Échange possible. Je vais l'avoir dans le troc. On va à l'église. On va à l'église. Je prends une pelle. Est-ce que j'ai besoin d'une pelle? Je pense que je vais troquer les munitions pour armes à feu. Et des médicaments. Vous en pensez quoi? Je troque tout ça. Ça fait beaucoup de trucs à troquer, quoi. Ça fait pas mal de trucs à troquer, mais en même temps, le sucre.
Ouais, mais le sucre, c'est un seul bloc, donc. On va pas avoir besoin d'un moment de sucre. La pelle, c'est utile. Bientôt les 5000 subs. Aïe aïe aïe. Composant de médoc. Ouais, je vais garder mes médicaments et je vais filer ça. On y va comme ça. Ah, c'est pas fou, hein. Pas les médocs. Non, mais j'envoie les médicaments à base de plantes. Comme ça, c'est bien, je garde mes médicaments à moi. Pourquoi pas aller au supermarché? Parce que j'ai envie de tester. J'ai envie de tester un gros truc de troc là. Je sens que ça peut marcher. C'est quoi ça? Ingrédients pour médoc? Vas-y, j'y vais comme ça. C'est la vie. Nabs, merci beaucoup pour le deuxième mois. Seigneur Doka aussi, merci pour le Prime. Je te dis depuis le début, l'évolution est magnifique. Oh, merci, merci. Bon alors, ok, on est à l'église. Alors, ils nous ont dit que c'était un peu dangereux et qu'il fallait faire gaffe. De toute façon, j'ai pas d'armes. Boum. Direct, ça c'est bien récupéré là. Là, nous on vient pas mal pour troquer. Attends, il y a un mec en bas. Il y a un mec deux étages plus bas. Il y a le prêtre ou je ne sais qui est tout au fond. Pendant ce temps, je fouille. Il y a full mec en bas. Est-ce que j'ai pas trop et il me manque pas du bois là? Parce qu'à coup de deux par deux, ça peut être un peu chiant. De toute façon, faut que je vire mes merdes et que je les troque. Il a l'air d'avoir pas mal de gens. Nous avons été cambriolés récemment, il ne nous reste pas grand-chose. Tu veux pas troquer, toi? Au prêtre. Oh là là. Il y avait un mec là déjà, non? C'est quoi ça? Mes fidèles dorment sous l'église, ne les dérangez pas. Mais je suis archi chaud pour troquer, gros. C'est vrai que je cours, c'est mauvais bail. Ça doit leur faire peur. Rien ici. Ah, il veut troquer! C'était pas trop tôt, voilà! Je dois te mettre pression pour ça. C'est quoi ça? Alcool pur. Ah, c'est des bouquins, vous, hein, que vous lisez. Un peu de café. Café, ça peut être bien. C'est beaucoup ça. Pas de nourriture, je peux pas faire de la nourriture avec ça. Là, si je troque, c'est pas mal. Deux grains de café, ça peut être bien. Elle kiffe bien le café, elle. Comme elle kiffe bien le café, je me dis, ça peut faire un truc, quoi. Vous plaisantez. Tu veux du sucre? Ah, oh, le sucre, ça peut être de la folie, hein. Le sucre, ça a pas l'air d'être la folie, quoi. Plus la merde, le café. T'as déjà trois bandages à la maison, c'est vrai que j'ai des bandages. Non, non, mais on se fait ça. Le café, c'est pas grave, c'est un truc qu'elle a besoin, elle va kiffer. Les balles, ça a pas l'air d'être fou. Voilà, deux. C'est quoi? Je vends une balle. Une balle contre deux trucs. Je peux te gratter une feuille avec? Ok, non, je peux pas te gratter. Ok, je peux pas porter autant. Le con. C'était donc ça tout le souci. Du coup, on va devoir faire un triple échange. Le con, je suis obligé de lâcher deux balles. Parce que je suis obligé de me délester de. Il y a trop de café là. Ok, bon, 4 cafés pour 2 balles. Voilà. Je peux aller dans les catacombes un peu là? Je pourrais passer par cette porte s'il y avait une lame de scie. C'est bien dehors là, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais il y a un autre truc derrière. Oh, mais je suis dans les backstage de la boîte là. Il y a l'air d'avoir du monde là-haut. Ah, bah là, on est beaucoup mieux là. On peut pas rentrer? Pourquoi on peut pas rentrer? Pourquoi je peux pas rentrer là? Oh! Oh la génie! Ouvre, ouvre, ouvre! Et de 7. Attends, je pense que c'est bien peut-être de check avant le truc d'après, tu vois. Ok, parfait. Là, on peut fouiller. Merci, mon Antoine. Que les trucs sont d'intérêt. Ok, on fouille. Pour l'instant, on voit personne.
Ah non, mais je clique avant même de... De toute façon, on avait vu, il y avait rien là. Vas-y, fouille, fouille ma gueule. Que les trucs sont intéressants. Oh, ça a déjà été volé ici. Oh là. Oh non, 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 on se casse. Non, non, ici, ici, on se casse. Il y a un mec là, là. Il y a un mec qui est juste là, là. Ok, je pense qu'on se casse. On a check un peu, c'est pas mal. On retourne dans l'église. On va troquer avec d'autres mecs. Avec les paroissiens, là. Il fouille juste, sinon il aurait gueulé. Ouais, comment on le sait, ça? Moi, parfois, ça me fait peur. Je vois un truc rouge, je suis en pression. Ah, lui. Fais une pelle. J'ai une pelle. Oh, je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Vas-y, troque, troque, troque. T'es chaud, tu veux quoi? T'as besoin de quoi, t'as besoin de quoi? Un autre gars, lui? Cette zone est interdite d'accès. Tu veux quoi? Ah non, toi, je te connais, toi. Non, 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 non. Nous appartenons à une communauté pacifique. Ok, ok. C'est pas forcément un méchant. Ah mais vas-y, mais du coup, faut que je retourne là-bas, en vrai. Parce que là, lui, si... Si je... Là, c'est que des trucs chez... Ça appartient à des gens, en fait. Tu peux partir en explo à deux. Bah, je sais pas, j'ai essayé. Bah, attends, on remonte, du coup. T'es full, attention au temps. Oh ouais, c'est chaud, surtout que je suis full. Oh, c'est technique, c'est mal joué, là, je pense, hein. Ok, faut faire gaffe au temps, mais on peut le faire. S'il est là, c'est qu'il descend pas. Des ordures. J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, je suis bien. Ok, là, il y a full merde. Et là, je peux... Là, je peux piller, là. Ah, il descend, non? La merde. Tabac. Tabac de jardin. De la merde, je peux pas le prendre. Pourquoi t'as couru? C'est vrai que j'ai couru. Qu'il est vrai que j'ai couru. Voyons voir. Ah mais du coup, s'il est là, je peux remonter. Je peux partir à droite ou pas? Parce que là, ça commence à être chaud, hein. Niveau temps. Ah, je peux partir là si jamais. Ok. Non, 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 PA. Holy shit, je suis parti de l'autre sens. Ouf. J'en peux plus, j'en ai assez. Non mais il va me tuer. Et la sortie. Faut que je rush la sortie. Faut que je cours, mais il va me tirer dessus là. Il est pas agressif. Il va me tirer dessus là. Je cours. Ah il s'en fout en fait. Ah j'étais persuadé qu'il allait me foutre une balle moi. Pourquoi il me fout pas une balle? Petite balle, un petit coup au moins, tu vois. Juste, j'ai été chez lui, je l'ai pillé et le mec me dit rien. Oh, ok. Road to 24 mois lancé. Aïe, 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 plus que 9. 9, c'est long, hein, quand même. Mais merci. Le mec te dit, n'ayez pas peur. Ah, il m'a dit ça? C'était un récolteur comme toi. T'aurais pu le recruter s'il faut. C'était une victime, de quoi t'as peur? Mais il avait l'air d'avoir un gun. Nous avons été pillés. Oh non! Quelqu'un a essayé de nous voler. Mais non, ils ont volé tous nos trucs! Oh, c'est archi relou! Oh, c'est archi relou! Ah, j'ai envie de sortir avec un couteau! On a rien à grailler. La chance qu'il fasse pas froid ici, mais ça va, toi, là. Là. Je fais quoi, là? Bruno est à chier, hein. Tiens, va dormir, Bruno, va dormir. Toi aussi, là. C'est quoi l'objectif, là? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas grave, t'as du café. Ah non, je vais aller buter les vieux, hein. Ça va être réglé, hein.
On s'en fout, ça, en vrai. Fallait focus les barricades. J'en ai fait quelques-unes, quand même. Hein. Faut pas le faire monter la garde, ouais, mais du coup, lui, il fait juste à bouffer, quoi. Et ça, on a toujours pas ce truc. Chauffage. C'est où les barricades maintenant? On va se faire un chauffage déjà. Un petit chauffage. Boum. Allez, petit chauffage. Faut leur laisser une arme. Bah ils avaient un couteau. Non, honnêtement, ils avaient tout. Hein. Non, je vais envoyer Pavel. Parce que là, on commence à plus avoir à bouffer. Hein. Je pense que là, ça va commencer à être la merde. Il va falloir faire un peu attention. Heureusement, on a un petit... On a un petit chauffage. Du chauffage par 16 degrés. Non, mais on l'installe. Au moins, il fait chaud. Tu vois, genre, on n'est pas... Tu vois, ensuite, pour que ça chauffe, faut cramer des trucs. Mais au moins, quand l'hiver va tomber... Ah, il y a encore le gros barbu, là. Ouais, barricade, on peut plus. Guitare. C'est pas con, ça. J'ai des choses à échanger. Vas-y, ramène-toi. J'arrive. Fais le trop, merci beaucoup. Je sais que le piège, il faut des ingrédients, mais... Vas-y, qu'est-ce que... Toi, je suis sûr que tu me pilles, et ensuite, tu viens me revoir. T'as pas de la bouffe, toi? T'as pas de la bouffe, gros? Ah, si t'as un peu de bouffe. Oh, ça me mettrait bien, ça. C'est plutôt ordinaire, pour être honnête. Un fil du poulet, je sais pas, n'importe. Je t'assure que pour ton poulet, je suis prêt à tout. Trois trucs pour faire des médicaments. Sachant que moi, j'ai de quoi faire des médicaments pour deux de poulet. Et je rajoute un peu de tabac. Non, je peux pas. J'aime bien essayer de gratter à chaque fois. Une clope pour Bruno. Oh, la clope pour Bruno qui passe! Je suis le meilleur pote. Je suis le meilleur pote. La petite clopasse pour Bruno qui passe, comme ça. Et le petit sucre, c'était pour le café, mais... Envoie la meuf, tu penses? Pour Nego? Ah mais je suis con, j'avais pas envoyé Katia, là. J'avais envoyé Pavel. Je vais mettre le poulet dans le piège à rat, ouais, c'est le plan. Et la petite clope, bah, petite clope. Hein. Vas-y, c'est bon. Merci, mais j'en ai d'autres, regardez. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Fini, fini. Je t'en vais. Je dois retourner auprès de ma famille, ça marche. Vite, vite, vite. Mon estomac gargouille. Parce qu'on est d'accord que pour un, ça t'en rapporte deux. Ah mais donc ça, on va le faire à vie, ça. C'est pas grave si vous avez faim, les gars. Ça va passer. Ça va passer, c'est le plus important. Pour un, tu as deux, ok. Bah j'attends, alors. Réglage. L'air est frais avec des nuages et des risques de pluie. Mais je suis bien là dans ma game ou bof? Café devient de plus en plus rare. Le prix du café au marché noir devrait augmenter. Non mais suivez mon pif hein, sur les différentes actions, hein, sur le cours de la bourse les gars, je suis là. Hein. Comme si la guerre ne suffisait pas, la criminalité augmente dans la ville. Putain, ça se cambriole sec là. Bon, non mais juste, je comprends pas, je ne peux plus faire de... Je peux plus faire de barricade? C'est fini les barricades pour moi? Sylvino viré, j'ai vu. Pour une première, t'es bien. Ouais, ouais, Tite, je pense après le jeu, on parlera un peu de Sylvino. Tu vois, je comprends pas ça. Faut up l'atelier. Ah, je l'avais déjà fait ça. Faut encore augmenter l'établi. Ah, encore? Ah, mais il me manque full truc, il me manque des boulons. Des appareils électriques. Jardin. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse genre des plantes? Tu vois, parce que le filtre, là, je me pose la question, du coup. Sinon, ça va juste dormir. Hein. Je crois que ça va juste dormir. Hein. C'est bon, j'ai repris des forces. Non, mais elle va y aller, hein. Ah d'accord, j'ai mis 3 barricades, donc c'est le nombre max, et ainsi de suite. Rien ne vaut un bon somme. Et ça, on sait pas trop combien de temps ça met.
qu'est-ce qu'il va faire lui? Il a entendu une explosion. Il a entendu un bail, ça l'a perturbé. Ah non, il s'est posé là juste. Nous avons besoin de nourriture. Ouais, je suis d'accord. Mais j'ai pas l'impression que je puisse. Regarde, si je fais partir collecter, ça me change automatiquement la personne. Tu vois? Je peux envoyer qu'une personne collecter. Et en l'occurrence, je pense que c'est. Déjà, c'est Pavel qui va monter la garde. Et c'est Katia qui va partir. Le truc, c'est que où est-ce qu'on va? Le squat, il y a d'énormes matériaux, il y a quelques armes. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de bouffe, là, on a besoin de se remettre bien. Danger. Maison mitoyenne, danger. Échange possible, beaucoup de nourriture. Prudence recommandée, danger. Échange possible. L'avant-poste militaire, sinon. Hein. Bruno a que 10 de place, donc non, moins de place. Que beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup d'endroits. Quantité énorme de nourriture. C'est ça qu'on cherche, c'est les quantités énormes de nourriture, nous. C'est la maison mitoyenne. Hein. Mais du coup, autant que ça soit Pavel qui aille, parce que là, il n'y a pas de possibilité. Maison mitoyenne. Hein. Mais il sert à rien, Bruno. Bah, il fait à bouffer, quoi. Vas-y, j'envoie Pavel et... J'envoie Pavel en maison mitoyenne avec un couteau. Je pense que c'est un bon plan. Ça va, c'est bon, ça va coûter, là. Ça va couper. Ça va couper des mecs s'ils sont pas chauds, là. Il s'agit de la partie d'où viennent les tirs. Ah. Belle ambiance, d'un coup. Elle dirait qu'il y a un mec. Qui est devant la porte, concrètement. Oh, j'ai pas le truc pour ouvrir la serrure. C'est fini, genre, du coup? Ah non, il y a encore en bas. Il fouille la cour. Enfoiré, qu'est-ce qu'il nous veut? Oh, c'est compliqué. Je vais me cacher. J'en sais rien, mais Bozena va tirer à vue. Oh bah, faut que je me barre, quoi. Little Phoenix, merci pour le 24e mois. Le truc, c'est que si je passe en dessous, je suis mort, là. Cette vieille photo... Là, si je passe, je suis mort. Oh, bonjour. Oh là là, je suis mort, là. Oh là là. Attends, j'essaie de me cacher. Je les infile de l'intérieur. C'est un peu technique, hein. Oh là là. Où est-ce qu'il se cache? Je peux pas tirer? Holy shit. Et je peux pas prendre le couteau et... J'aurais dû la tuer. Je savais pas s'il fallait cliquer. C'est quoi les deux options, là? Oh. Attends, je vais faire du bruit. Elle me tire dessus. Elle m'a tiré dessus. La pute. Elle a vu où j'étais. Elle a vu que je m'étais caché là. Elle me tirait dessus. Il est aveugle. Bah c'était pas non plus excuse-nous hein. On était pas en 4K HD quoi. Sur les tirs de balles là. Ah ouais là. Sale ambiance là. Parti à la recherche mais il n'a rien trouvé. Très fin. Des blessures. Besoin de repos. Ouais mais on trouve rien en plus dans le trou à rats là. Vas-y, fais-toi un petit bandage. Ah non, mais j'aurais dû faire... Finor, merci. Oh, je l'aurais fait depuis le début, j'aurais tué tout le monde. Mais là, du coup, je suis dans la merde de ouf, parce que là, ça sert à rien ce que j'ai fait. Je l'aurais cut dès le début, mais en fait, j'avais peur que si je sorte le truc, c'est fini. Là, il nous faut de la bouffe, hein. Là, ça devient... je sais même plus quoi dire, hein. Tout le monde est en train de crever, hein. Donc, soit je fais un des poulets... Je vais faire un des poulets, hein. Il est triste. Pourquoi il est triste, le con? Il faut penser à la blessure de Pavel. Bah, il est bien, Pavel, là, regarde. Je vais faire...
J'ai plus d'eau. Oh là là, là ma vie pue là. Là ça devient technique. Hein. Je mangerai n'importe quoi. Il nous faut un filtre avant tout. On fait un petit filtre. T'aurais pu récupérer son gun. Vas-y, fais-toi un petit filtre. Oh là là, soigne-le. Bah il a son bandage là. Hein. Des blessures, des bandages en vue de rétablissement. Il a très faim. Pour ça, je vais peut-être faire un... fais cuire Bruno. Là, on est quand même dans du compliqué là. On attend juste d'avoir ce qu'il nous faut. Ouais, non, mais je sais, quand je suis planqué, j'aurais dû le buter. Juste, je savais pas que ça marchait comme ça en fait. Tu sais, le système de tu sors ton couteau et tu. Alors, par contre, en termes de durée de vie, c'est une grosse durée, mais le moment où tu t'es fait. Y a quelqu'un à la porte. Ah, ça peut être bien ça. Oh! Me dis pas que t'as besoin d'aide, dis-moi que tu m'aides maintenant. Me dis pas que t'as besoin de médicaments, t'es jamais revenu. Rebonjour, nous avons faim. Ah, frérot, c'est léger là. Nous avons besoin de. Mais elle est encore faible, ils n'ont plus de nourriture. Ah non, ça va. Vous pouvez peut-être changer d'avis. Non, c'est bon. On n'arrive pas à bouffer, nous. J'ai un gars qui est mort, là. Vous pouvez pas m'aider, désolé. Je pensais pas que vous alliez me tourner le dos. Oh, bah, en plus, ça fait jouer la pitié et tout. Ok, d'accord, super l'ambiance, quoi. Ah là, les mecs, vraiment, ils te mettent au fond du fond, quoi. Ah bah, si c'est pour... Eh, merde. Non, repose-toi, Pavel. Oh là, je l'ai hint, là. On se blesse bien trop facilement. Mais lui, il bouge, gros, Bruno, là. Bruno, il branle rien, il s'étonne. Ah, Bruno, je suis vraiment pas loin de le détester, là. Ça commence à être difficile, là, pour Bruno. Cousin, 3e mois de sub. Diablo, 5e mois. Et on peut pas, ouais, les tuer. C'est quoi la limite de... À très fin. Bah, j'étais sûr que c'est celui qui va manger en dernier, hein. J'ai tellement faim. Je pense que c'est Katia qui va y aller. Et qui va partir en égo. Mais le chauffage. J'avoue que 15 degrés, on va peut-être commencer à foutre le chauffage. Hein. Un petit chauffage, là. Il y a encore de la bouffe dans le frigo des vieux. Et que ça pourrait être pas mal. Oh, il fait chaud, là. Au moins. Oh, ils vont bien dormir, 18 degrés. Oh non, Katia, pardon. On a de la chance qu'il fasse pas froid. Chauffage, attends. À 15, il commençait à faire... Après, ça va, ça consomme pas trop, ça, là. Plus tu mets de bois de chauffage, plus ça chauffe fort. Ah, ok, d'accord. Faut penser à la blessure. Tu commences à me saouler, gros. Là, on a... Par contre, ça, on est d'accord, ça marche pas très bien, le... Ça a pas l'air d'être fou, quoi. Pas d'info. Hein. Pas d'info au jour 8. Tu peux en faire plusieurs. 15 degrés, ça passe. Ok, c'est quand que ça devient dangereux du coup? Ok, vas-y, ramène. On va se faire un petit. Allez, Bruno, au moins il va nous faire une petite soupe là. Et on envoie qui vous pensez? Katia? Ah, c'est bientôt triste. Oh, ils commencent à être tous tristes. Pourquoi tristes? Quelle tristesse qu'ils n'ont pas pu aider ces enfants affamés. Oh non, ils sont tristes. Eh, Bruno, j'ai juré, il va grailler. C'est 2 max, les pièges à rats. Ah, mais c'est pas ouf en termes de farming, quoi. Quand t'as un mort, c'est dangereux. Chaque acte a des conséquences sur l'humeur des persos. Ouais, j'imagine, c'est plutôt bien foutu, quoi. Bah là, en vrai de vrai... On va envoyer Katia, quoi qu'il arrive. Bruno va tenir la garde. Et voilà. Hein. On attend juste qu'il se réveille, Katia, et qu'elle puisse manger. Un petit bol de poulet. Tu peux aussi en perdre avec les zones. Là, la question, c'est où est-ce que je vais, quoi. Je suis plus calme après une cigarette. Ouais, toi, vraiment, t'es... Chacun ses prios, quoi. La question, c'est où est-ce que je vais. Parce que... Ah, attends, si je l'avais tué, c'était réglé, quoi. Soit on fait de l'échange, mais j'échange quoi? Je peux échanger des médicaments. Ce qui est pas si mal, quand même. Mais là, il me faut une quantité astronomique de bouffe, hein.
Soit je vais fumer les vieux. Hein. Oh non, non, bouge-toi. Tiens, très fin. Mange un petit coup, toi. Échange le café, le prix augmenté. Je dirais pas non, un peu de rab. Elle a encore faim après ça. Ah, oh, faudrait pas nous faire des airs de Marie-Jeanne, là. Hein. Ah, elle a déjà pris un peu de café. Ah, elle est triste alors que je lui file du café. Ok, on termine la journée. Ok. C'est elle qui part en collecte. Lui, il dort. Et toi, tu montes la garde. On va partir en collecte où? Maison calme. Y a pas tant de trucs que ça. C'est les vieux. Les vieux, on les bute. Venge-toi. Ah non, ça va être compliqué. Hein. Supermarché, beaucoup de nourriture. Hein. Mais c'est danger. Et elle est mieux pour l'échange. Sinon, je vais école bombardée. Il y a échange possible. Je vais école bombardée. Elle était endommagée. Il n'y a pas eu de classe depuis longtemps. Vas-y, je fais ça. On échange du café, qui s'échange fort maintenant. Allez, je lui en garde un, je suis gentil. Pour pas qu'elle pète un câble. Et j'échange quoi d'autre? J'y vais avec une pelle, ça pourra nous aider, au pire je l'échange. Il y a marqué danger, mais il y a danger partout, hein, je crois, les gars. Et je prends un couteau, comme ça on peut tuer. Et je prends des médicaments. Je prends les trucs de médicaments ici, qu'on pourra échanger. Ça c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que je mets tout le café, allez, vas-y. Prends juste un couteau. Non, 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 je suis sur une des terres, là. Je veux dire qu'il y avait de la casse. Là, ça va être la merde, hein, potentiellement. Salut PH, juste venu pour me resub, bonne soirée. Putain, quel frère. C'est-à-dire que c'est... c'est beau ce qui se passe. Continue, frérot. Merci, Toti. Bon, allez. Là, il nous faut des choses, là. Si tu veux échanger, go militaire. Je sais pas, je découvre. C'est quoi, ça? Pièce d'armes. Bien, un peu de bois et tout, c'est pas mal, là. Ça commence bien. Ok, il y a un mec juste au-dessus. Nous ne sommes pas des bandits. Ok, ça a pas l'air d'être des gens méchants, méchants. Il y a un certain Niska. Va au-dessus, va au-dessus. Moi, je suis prêt à cut. Hein. Bonjour. Arrêtez cette école de que nous pouvons faire des échanges. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit. C'est chez nous, ici, dehors. Non, mais ne recommence pas. En termes d'échange. Moi, on m'a dit qu'il y avait possibilité de faire des échanges. Comment on clique sur eux pour faire des échanges? Je sens qu'il y a personne en haut et que c'est cadeau. C'est free loot. C'est free loot, c'est free loot. C'est free loot pour moi, là. Oh! C'est quoi? Douille d'armes à feu. Oh, ça va être pas très cher. Poudre à canon. Oh, je comprends pas les trucs de base plus. Pas de bouffe. Il faut de la bouffe. Ah, mais du coup, je prends des trucs qui pourront servir en échange. Je me laisse une place libre. Je n'ai de bouffe. Bref, j'ai compris que je n'ai de bouffe. Hein. Approchez pas les revêtements aériens internationaux. Je vais pas rester éternellement. Comment on fait pour... Moi, ce que je veux comprendre, c'est comment je fais pour échanger. Douille, c'est pas mal. Ce que j'ai pris, non? Ouais, j'ai pris les douilles et j'ai pris ça. Je rentre en bas, genre? En mode chill, au rez-de-chaussée, c'est là que ça échange, quoi. D'accord. Bah, du coup, j'arrive, j'ouvre la porte. Allez. Bonjour! Je peux pas la forcer avec mes serrures. Y'a quelqu'un? Oui? Je vais vérifier d'où vient ce bruit. Mais non, je veux juste que tu me parles. Je fais du bruit si tu veux devant. Ils vont me niquer? Ils bougent plus. Y'a beaucoup de gens, hein. Trouver de l'eau. Oula, je suis devant. Je suis pas dangereux. J'ai les mains en l'air. J'ai les mains en l'air. Bonjour. Je voudrais échanger, s'il vous plaît. On ne comprend pas bien comment échanger dans ce jeu. Hein.
Et le mec, c'est-à-dire, c'est... Je connais des gens pas très sociables, si tu veux, mais là, c'est quand même un niveau où... Bon, limite, c'est louche, fouille-moi, quoi, fais un truc. Tue-le. Ah, je vais pas le tuer, là, c'est... il est pas dangereux. En luche, t'es tout pillé, en haut. Faut trouver l'icône échange. Ok, bon bah, mec te slash ignore. Bah, je vais remonter. Il y avait que lui apparemment qui était chaud. Vas-y, j'ouvre, hein. Alors, est-ce que ça échangerait pas là? Est-ce que tu fais encore la fiche le camp? Je devrais partir, par maintenant. Ah, vous êtes vraiment sur des. Garde tes distances, d'accord? Ah, c'est peut-être tout là-bas en fait. J'aurais peut-être dû remonter. Je vais juste contourner en fait. Hein. Bon bah, je vais contourner les gars, mais vous êtes pas pratique. Hein. On comprend pas bien. Hein. Bon bah, pas d'échange peut-être. Et vous? J'ai besoin de quelqu'un ici. Ah, tu me mets en joue. Je suis en route. Je vais chercher de l'aide. Oh là. C'est une aide hésitante. Mais là, je devrais le tuer là. Attention au temps. Dégage, dégage. Eh, ça va. Assez joué, sortez tout de suite. Ok, ok, ça va, ça va. Je peux pas les tuer, ils sont deux. Ils m'auraient tué. Mais ils sont très agressifs, hein. Mais là, j'ai toujours pas de bouffe, du coup. Mais je suis une merde, on va crever. Là, on va manger des boulons, quoi, aujourd'hui. Oh, ça devient très... J'espère que... Il y a un mec chez moi? Ah non, c'est Bruno. Bon, de toute façon, on a dû se faire attaquer, c'est Bruno qui maintenait la garde. Donc, les mecs ont dû tout nous prendre, voilà. Mais je t'assure, c'est une grosse merde! Ça fait 2 heures que je commence à jouer au jeu! Putain, Bruno! Depuis le début, il pue ses morts! Quelqu'un essaie de nous voler, c'était un groupe de durs à cuire, nous avons réussi à les repousser. Oh, pardon, Bruno. Nous avions des âmes, mais pas assez pour tout le monde, aucun d'entre nous n'a été blessé. Ah non, pardon, Bruno a fait du 1v4. Non, excuse-moi, Bruno. Non, parfois, on juge les gens. On se rend compte après que, voilà, c'est... Excuse-moi, Bruno. Non, Bruno, là, je... Je pensais pas que... C'est quand la dernière fois que j'ai fumé. Ah ouais, lui, il est... Ouh. Très fin, besoin de repos. Très fin. Ah bah là, de toute façon, là, on est dead. Hein. Là, honnêtement, on est dead. Hein. Je sais même pas ce que j'ai ramené. Pour tout vous dire, je sais même pas ce que j'ai ramené. J'ai ramené des douilles. Moi, je voulais faire des échanges. Au bout d'un moment, il va falloir commencer à les tuer. Hein. Je vais aller tuer les vieux. Hein. On va tuer les vieux. Y a pas le choix. Je crois qu'il y a pas le choix. Hein. Ça fait un moment que j'ai pas dormi. Hein. Va dormir, pauvre là. Supermarché, lui aussi. Ah, mais lui, il fait que dormir, du coup. Ah, très faim, de légères blessures. Attends, pose ton cul un peu. J'ai tellement faim. Bah, y'a rien à manger. Oh, le piège a marché! De légères blessures. Est-ce que je dois le re... Oh, le piège a marché. Mais est-ce que je fais 2 poulets ou je le remets? Est-ce que vous pensez que je remets un poulet? Ou je fais à manger? Ah, c'est économie long-termiste, là. Hein. Le Michel, merci pour le sub. Sinon, on se fait 2 soupes et c'est réglé. Hein. Je remets le poulet en jeu? Je remets le poulet en jeu. Attends, bah alors, profite-en juste, toi, pour venir faire un petit, une petite soupe. J'ai pas assez d'eau. Oh là là, la vie. Ah tiens, dors pendant ce temps. Dors. Non, toi, va là. Toi, tu fais ça, toi. Ah, il me faut ça, putain, j'en peux plus. À chaque fois, ça fait 4 fois que je fais le même pattern. Hein. Tous ces viewers qui auraient déjà tué les vieux. C'est vrai qu'il y a assez peu. Il y a assez peu d'amour envers les vieux quand même. Je dois le dire. C'est vrai que ça m'énerve de le dire. Mais il est vrai. C'est peu d'amour. Pour ces petites personnes qui au final. Voilà. Non. Parce que là, je suis quand même dans la merde plus plus. Hein. Les vieux, ils avaient 2 trucs ici là. Qui pourraient me mettre bien. Alors je vais le fabriquer. Ensuite, on va réclamer l'eau de pluie. Et j'envoie qui vous pensez? Légère blessure. Faudra qu'il se repose, quoi. Bouffe un vieux à la... Ouais, toi, t'es toujours... Hein. C'est quoi, cette baguette? C'est un stylo. C'est un stylo des... des plus stylés. Tout simplement. Envoie Bruno. Mais Bruno, en fait, il a même pas de place. Bruno, vraiment, il sert à rien. Très fin. Je pense Bruno cuisine pour Pavel.
Bruno se nourrit de l'effluve de bouffe. Fais d'autres filtres en attendant. Pas con-con, toi. Refaire un filtre serait pas con, tu vois. Deux filtres. On peut se dire qu'on fait deux filtres comme ça. Je vais faire ta pub sur le stream de Gotha à toute. Ah non, non, fais pas ça, gros. C'est le pire truc quand. Honnêtement, en tant que streamer, il n'y a pas pire sensation qu'un mec qui vient juste pour parler d'un autre stream. Je t'assure qu'il n'y a rien de pire. C'est genre trop chiant. Faites pas ça, faites pas ça. Bon, j'ai repris des forces. Ah, bien. Ah, Katou, là. Tiens, bah, dors un peu, Bruno. Enfin, Pavel. Nous avons réussi à repousser l'attaque. Bon, elle, elle est en panique. Hein. Elle a juste faim, elle. Qu'est-ce qu'on pourrait la faire faire? Pas grand-chose, parce qu'il nous faut trop de trucs, maintenant. Max. Chibi, merci pour le deuxième mois. Il me faut beaucoup de ça et 5 de ça. Et ça serait pas mal d'améliorer l'atelier, je pense. Bon, là, y a rien à faire. Hein. Là, j'attends juste ça pour pouvoir pour que Bruno puisse faire de la bouffe. Et une fois qu'on a fait de la bouffe, on peut pas faire en mettre en x2, limite. Je dois être le seul à vouloir mettre en x2, tu sais, ça doit être l'inverse, normalement. Dommage que nous n'ayons plus de cigarettes. Toute sa vie pour les clopes. Hein. Et Pavel en voie de rétablissement. Ok, donc là, Pavel, quand il va manger, ça va être réglé. Bruno, il se lève 4 pélos à lui seul, donc les vieux, il les mange au petit-déj. Non, mais est-ce que... Je pense qu'on va juste aller voler les vieux, mais ça va les rendre encore plus tristes. C'est ça le souci aussi. C'est que les mecs vont être de plus en plus tristes et ça va être infini, quoi. Ils vont juste avoir envie de crever. Je peux mettre de la musique classique à la radio pour les détendre. Vraiment ? C'est où déjà? Pas fou. Ah, c'est bien là. Ah, capte plus. On vole mais on tue pas nous. C'est exactement ça. Une cigarette me ferait du bien, ouais. Bon, ok. On va faire la bouffe et c'est Pavel qui va manger, je pense. Parce que je pense que j'envoie Pavel et on va commencer à tuer des gens. Bon, honnêtement, on va commencer à tuer des gens, je pense. Waouh, bonsoir et bisous la mif. J'hésite honnêtement à aller à un autre endroit et charcuter d'autres mecs. Après, Bruno, il n'a rien bouffé depuis très longtemps, quand même. Bruno, ça fait quand même très très longtemps qu'il a rien bouffé. Hein. Est-ce que on fait bouffer Bruno? Putain. Mais si, merci pour le cinquième mois aussi. T'es toujours pas mort, chapeau, en vrai. Mais il faut qu'il se réveille aussi. Le supermarché, c'est safe. Supermarché, ça échange ou pas? Tue les vieux. Non mais c'est devenu un plaisir, là, chez certains. Il y a un souci. Pavel est encore blessé, ouais. Juste fini les vieux et après c'est bon. Mais je me dis, est-ce que le jeu est logique ou pas? Parce qu'ils avaient deux conserves. Ils ont dû les grailler, les conserves. C'est ça le truc. Ou sinon, je vais au supermarché et je calache. Mais il n'y a pas la carte. Je vais pas vous le montrer, la carte. Si je fais M. Non. Pavel, j'attends juste qu'il se réveille. Hein. Ah, mais en fait, il a pas... Je vais le faire manger. Craft un autre piège. Ça me coûte trop. Je suis le coach de Bruno, il est en période de sèche, laisse-le comme ça et qu'il aille courir. Je dirais pas non, un peu de rab. Ah ouais, bah. Légère blessure, ça serait bien que... Ah mais là, c'est la première fois que je passe pas, donc ça a été hyper long, parce que en vrai, j'aurais bien passé, mais juste qu'il soit... À mon avis, il est trop tard, les vieux sont morts. Ouais, je pense. En fait, ils ont dit partout que ça partait en couille. Et quand ça part en couille, ça veut dire que les mecs, ils ont dû se faire piller et tout. Ils étaient en mode, ne nous pillez pas, nous pillez pas et tout. Donc 100%, ça va être la merde, je pense. Putain, il a encore des légères blessures. Je le laisse, vous pensez? Je remets Bruno en garde. Et Katia y va. Le stuff est fixe. Ah, parce que sinon, supermarché. Hein. Mais supermarché, c'est dangereux, il faut y aller avec un couteau. Hein.
J'ai envie d'y aller au supermarché. Vas-y, on porte nos couilles. On porte nos couilles, on y va avec un couteau. Vas-y, Katia, Katia, elle a connu. Hein. Allez, Katia, on y va, là, ma petite gueule. C'est le moment ou jamais. Boum. Un peu de cacao, ça se vend bien. Si jamais il y a échange, il n'y aura pas d'échange, je crois. Je crois qu'il n'y aura pas d'échange ici. C'est zone de non-échange. Dans mon retour, il n'y a pas d'échange ici. Ici, ça se charcute juste la gueule. Non, non, ici, on est juste parti pour se charcuter la gueule, là. Vas-y, c'est bon. C'est bon, là, j'y vais. Je pense que c'est la game qui va jouer, là. Ok, déjà, ça fouille. Je me demande ce qu'il reste des provisions. Prépare-toi à sortir le couteau, ma gueule. Oui, du poulet. Un peu de poule-poule, c'est très bon. Déjà, honnêtement, c'est une victoire, le supermarché. Je vous le dis. Je fouille safe juste en face. Il y a deux mecs en face, là. Un peu de poule-poule encore? J'ai pas bien vu. C'est moi qui check? J'ai la nourriture, ma pauvre, je peux t'en donner contre une petite faveur. Alors moi, sache que vraiment, j'ai très peu de limites là. Y'a qui en haut là? J'ai qu'à venir avec moi, ma jolie, on va s'amuser un peu. Mollo, mollo. Mais là, en fait, j'ai tout, là. Ah, parce qu'il y a des mecs dedans, c'est ça? Moi, j'avais rien compris, ça. Il y a des mecs dedans. Ah, mais en fait, c'est pas à moi qui parle. Là, le mec est en train de violer une meuf. Comme si t'avais le choix. Oh, mais attends, je sors le couteau. Je vais pas crever de faim, tu ferais mieux de nous dire ce que je... Attends, faut attendre un peu. Faut attendre qu'il go. Parce que là, si j'y vais maintenant, ça va être terrible. Parce que je dois rentrer chez moi. Oh, ça va être compliqué, là. Faut qu'il la go un peu, là. Si j'ouvre, ça va être terrible. C'est quoi, ça, ces boutons, là? Tu vas venir avec moi. Là, j'ouvre. J'y vais, je charcute. Ouais, je charcute encore. Oui, madame. C'est bon. Me fais pas de mal, toi. Hein. Freine. Collecte. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oh. J'ai sauvé une vie. Oh. Y'a personne d'autre? Mais je suis le boss de la ville, en fait. Et je peux pas prendre le gun, là? Mais je suis le boss de la ville, en fait. Il avait quoi d'autre? Alcool de contrebande. Ça nous met bien, ça? Oh, bah, mieux que du tabac de jardin, je pense. On est trop bien, là. Attends, je vais check ici, parce que ça va, y a un truc. Oh, j'ai buté un mec. Fusil d'assaut plus couteau. Je peux pas faire grand chose de plus pour l'instant. Prendre la bouffe. Il y avait pas de bouffe, non? On a de la bouffe ou pas, là? On a que deux poulets. Est-ce que je descendrai pas, en vrai? Je gride, là, non? Après, on n'y a pas l'air d'avoir de danger, là. Je cherche juste de la bouffe, là. Y'a du danger ou pas, là? Au pire, reviens le lendemain. C'est cadeau, là. T'as une arme, c'est toi le danger. Mais grave. Oh, j'aime quand tu parles comme ça. Oh, j'aime. Attends, je vire le bois. Attends, je vais prendre l'arme en main. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, là? Enlève le sucre. C'est de la merde, le sucre? Alors, ça dit quoi, là? J'ai comme l'impression que ça parle moins. Ah, y'a surtout moins de trucs, quoi. Dégage le sucre. Non, mais là, je peux calacher tout le monde, là, en vrai. C'est incroyable. C'était où, merde? C'était où que je pouvais loot? Ah, je peux plus re-loot. Je peux pas loot avec l'arme. Merde, c'est ça, je suis con. Eh ouais, je suis con. Ah, y'avait un deux bails en haut. Merde, c'est pour ça que je me suis dit aussi, c'est bizarre.
Ouais, le sucre, c'est vrai qu'on peut, on peut tège. Mais du coup, on prend quoi? On prend ça à la place en attendant. Ouais, on va voir. Attends, mais je vais surtout voir en haut s'il y a pas de la bouffe. Parce que de la bouffe, il y a un autre mec? Non, j'ai cru. La bouffe nous mettrait genre terriblement bien, surtout. Ouais, bon, on peut faire grand chose de plus pour l'instant. Si jamais j'ai un stack de boulons, quoi. Du coup, ça nous fait. Les boulons nous font de l'eau aussi. Faut connaître un peu quand même. Je sens que. Katia regarde Braise. Et Katia, ça devient la MVP, hein. Oh, petit poulet. Petit poulet braisé! Petit poulet braisé! Oh, le petit poulet là! Oh, c'est sublime. Non, non, dans l'ensemble, c'est sublime. Et je crois qu'il y a un truc là aussi, là. Du coup, j'ai pété la porte, pas pour grand-chose. Juste que je fasse pas full merde. Ça, j'avais check, non? C'est quoi, ça? Ça, on avait vu, non? Ah, cigarette roulée, ouais. J'ai des doutes sur comment rejoindre. Ah, ouais, c'est vrai que ça va être difficile. Ah, c'est pouf, faut passer en haut, après. Check le toit. Comment on va au toit? Ah, je peux aller au toit aussi. Je suis trop bien en vrai, attends, faut juste que je fasse gaffe à pas me faire tâche quand même, mais... Mais c'est incroyable le supermarché. Tu grides. Le temps, c'est chaud ou pas, là? C'est 5h du mat, vous m'avez dit, non? Ça devient un peu technique, là. Y'a plus... Oh, ça se calache. Genre, y'a des mecs qui peuvent arriver? Ça arrive là. Genre faut se barrer, non? J'ai envie de voir si je peux pas avoir... Je check celui-là là. Celui-là je le sens, tout peut arriver. Ah putain, je le sentais bien lui, c'est con. Con au final, il y a de l'eau. Pas ouf. Bon. Ouais, on check ça vite fait. Et on se barre. Une conserve, une conserve, une conserve! Putain, dommage. Mais on se casse. Allez là! Quel boss! Et plus jamais on se fera emmerder, on a une calache! Mais du coup, faut tuer! On va tuer tout le monde! Youth, Youth! 6634, merci pour le Prime, Nelly! Un chiffre, c'est tout rond, c'est tout beau. Merci pour le 30e mois aussi, Nelly, c'est très gentil. Et Steels pour le 4e mois. Ah non, mais là, c'est grosse. Y avait tellement d'eau. Mais l'eau, on s'en fout, on peut le faire via les boulons. Bruno meurt de faim. Bru-bru, je te laisse taper dans ta meilleure, barquette surprise. Allez toi, va dodo toi, va dodo, encore légère blessure, oh ça va mieux, baby, tu m'étonnes. En vrai, je pense qu'on va faire un deuxième, je pense que le bon move là, c'est d'économiser un peu, on fait un deuxième piège à rat, et ensuite du coup on va cumuler. Très fin, encore très fin. Gros, tu viens de manger notre... Ah, c'est un verre de vin ça? Pourquoi on a un verre de vin? Bah, je suis con, j'ai ramené l'alcool. Un petit verre de vin, ça allait faire du bien. L'idéal, honnêtement, je pense, c'est peut-être... Ah, je peux pas faire un deuxième piège à rat. C'est con, ça. C'est con. Améliore ton atelier, je pense que c'est important. Cigarette me ferait du bien. L'atelier, on peut l'améliorer? Ah non, il nous manque encore pas mal de bail. Mais c'est pas grave, là, honnêtement, on a fait un bon run. Il voulait pas fumer, si, mais il passe sa vie à vouloir fumer. Toute sa vie, c'est fumer. Ah non, c'est pas ça, pardon. Ben voyons. Bru-bru. Oh, du coup, je dois refaire ça. Est-ce que j'ai des filtres au moins? J'ai encore deux filtres. Ok, je vais là-bas direct. On va se faire un petit filtre très tranquillement. Pendant ce temps, je souhaite juste une fabuleuse nuit, mon amour. Je te souhaite une fabuleuse nuit. Voilà, boum. Ça, c'est beau, ça. Clac, et ça craft. Et là, je pars en full craft. Et là, je pars en full craft. Et là, c'est des petites, c'est des petits verres d'eau, là. C'est quand popcorn, déjà? Oh là là, tu sais pas que c'est demain soir à 20h? Tous les mardis 20h. Aïe, 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 tu loupes des choses, toi. Toi, tu loupes des choses. Hein. Non, mais toi, tu loupes des choses. Qu'est-ce que je pourrais faire dans ma petite baraque, là? Qu'est-ce que... 15 degrés. 15 degrés, ça a l'air d'aller. Si on descend en dessous des 14, c'est bien. Cuisine, puis distilleur pour l'alcool. C'est... Oh, mais là, il a besoin de repos. Ah, mais c'est lui, là, qui envoie de rétablissement. Mais il nous casse les couilles, lui, Pavel, là, au bout d'un moment aussi, hein. Bruno, il a gagné ses têtes-têtes, hein. Récupérateur d'eau de pluie, on a.
Atelier de plantes. Il s'agit d'une table sobrement équipée où il est possible de confectionner des médicaments. Des cigarettes roulées. C'est bon ça, ça sert à quelque chose. On en pense quoi de ça? Frère, il a pris 3 balles. C'est vrai qu'il avait pris 3 balles. On en pense quoi de lui là? Cuisine trop important. La cuisine, je l'ai fait. Ah, d'améliorer la cuisine? Afin. Une légère blessure. Le moral de Bruno pour les clopes. Non, parce que sinon j'améliore. Oh, c'est con. Poil plus efficace. C'est le poil amélioré que vous le disiez? Roule des clopes et revend. Ouais, ça peut être marrant. Ça peut nous faire le potager, c'est top tier. Oh. Allez, on va déposer. Je fais quoi là dans le. J'ai tout foutu au même étage, moi. Vas-y, j'imagine que tu joues un truc qui t'inspire. Aga! Bon, vas-y, go, là. Il fait quoi, Pavel? Est-ce qu'il a pas besoin d'un petit bandage? Je pense qu'il a besoin d'un petit bandage. Regarde ce que j'ai apporté. J'ai une calache, moi. Hein. Je te dis ça comme ça, mais... Oh non, 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 non! Oh non, 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 non! Le poulet, le poulet, le poulet! Ah, bon, les cacao, ça suffit pas. Herbe. Qu'est-ce que j'ai comme produit un peu classe? Je peux lui filer un couteau. Couteau, ça l'intéresse pas. Katia. De quoi, Katia? Envoie la meuf. Katia pour négo. Ah, Katia, elle négo mieux dans ses petits bails? Katia, excuse-moi, faut se réveiller. Ouais, excuse-moi, Katia. Ah, je sais que c'est chiant, c'est le chat. T'es en train de dormir. Bon, Pavel, je vais lui mettre un petit truc. Alors, du coup, je te disais. Ça, ça. Contre ça, ça. Ah, ça passe toujours pas, hein, comme quoi. Qu'est-ce que je peux te filer? Quelle générosité. Tu vois le prix de la canne, là? Pas assez, revoyez votre offre. Est-ce que c'est bien pour... si je donne l'alcool? Ah, l'alcool, c'est pas suffisant non plus, hein. Ça a l'air fort, ça. Les pièces électriques, là. Pour apporter les avancées. Noémie! Merci, Noémie, pour le sub. Bienvenue à toi. Garde le couteau. Donne du sucre. C'est vrai que le sucre, c'est de la bonne merde. Hein. Est-ce que je donne l'alcool ou pas? Là, je pourrais donner l'alcool. À ce stade. Vas-y, envoie une clope. Tu me casses les couilles à chaque fois. Ou envoie un peu d'eau. Ah, l'eau, il est chaud. Je pense la carotte, je la garde. Ça va être la merde. Sinon, je fais juste ça. Mais le sucre, ça sert à quoi? Il est impossible de faire de l'alcool. Mais au pire, du coup, je vends tout mon sucre. Mais comme j'ai une bouteille d'alcool, on est bien. Et j'ai plus de cacao. Le légume permet de faire 2 fois plus de soupe. Parce que là, on était pas mal, hein. En vrai, Ah ouais, peut-être les douilles, là, les trucs de merde, genre ça. Plus ça. Poudre à canon, ils aiment pas trop. Ça me permet de faire des armes, mais 3, ça me permet de faire une arme. Je vais en ajouter une. J'ajoute les 3 là. Et à côté, j'ai besoin déjà d'une clope. Ah gros! Non, non, ça je suis pas d'accord là. Vas-y, accepte. Accepte, je te file quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu pourrais vouloir? Allez, je te file un peu d'herbe. Voilà. Je te file un peu d'herbe. Vends pas les pièces. Mais j'en vends juste une. Roulée de qualité. Ah ouais, là je lui mets une roulée de qualité. Une clope, ça sert à créer des clopes.
Roulée de qualité. Non, non, c'est une clope, ça. Une roulée composée en part égale de tabac et d'herbe plutôt bonne, étant donné les circonstances. Il va se régaler. Je pense qu'on fait ça. Je les négo jusqu'au max, là. Oh, je gratte un peu d'eau. Je gratte deux d'eau. Je gratte deux d'eau en bonus. Comme ça, cadeau. Vas-y, c'est bon. Oh, je lui gratte deux d'eau. Comme ça, Bruno, il va être content, il va pouvoir fumer. Non, non, mais tout le monde est content. Ah non, là, je suis très content. Bon, on échange ou non? C'est bon, on a échangé, là. Mais un temps. Lis ce qu'on te dit. De quoi, lis ce qu'on te dit? Elle blondeau, merci pour le deuxième mois. Bon, attends, tu peux aller dormir, toi. Alors, lui, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Non, dors là, pardon, avec lui, c'est Bruno qui va. Une cigarette me ferait du bien. Tu peux fumer, gros. Tabac de jardin. Et ensuite, pour faire... Il faut du tabac, tout court. Ah, ouais. Cigarette roulée. Ah, bah voilà, il peut faire des... Vas-y, vas-y, ma gueule. Transforme, transforme. Vas-y, fabrique, fabrique. Lui, il fait quoi? Ah, de légères blessures. Tu commences à me péter les couilles, tu vas te mettre un bandage, toi. Ah non, mais là, on est trop bien. Là, honnêtement, elle a très faim... Très fin. Ah non, on va pouvoir se faire un vrai truc, hein. Triste, besoin de repos. Besoin de repos, donc lui, je vais leur laisser faire ça. Le truc, c'est que... Il nous faut des pièces spéciales... Pour le deuxième piège à craft. Go améliorer l'établi. Je pense que je peux toujours pas, hein. Ça change pas grand-chose. Lui, va dormir après. Cadeau. C'est quoi les trucs de cadeau, là, de Prime, là? Il y a des moments où je peux faire genre des trucs de... J'avais compris ça. Commencez. Si vous avez des trucs prime, là, je commence la récupération des cadeaux. Qu'est-ce que c'est? Cadeau restant, 3. 2. Il vous reste un cadeau ensemble. Vous n'avez plus de cadeaux. Restez connectés. Offrir plus. Les membres prime ont offert 75 cadeaux. Oh, vous offrez full cadeau. Oh, stop, 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 parce que c'est de la merde, c'est World of Tank. Officiel, si vous l'OL, c'est fini. Ouais, j'ai vu, pote, on en a parlé tout à l'heure. Oh, je distribue, arrêtez, parce que c'est... Vous allez avoir plein de trucs de World of Tank. J'espère que vous êtes contents. J'espère que vous êtes épanouis. Voilà, vous avez le nouveau skin du tank. À chaque, c'est pas rien, hein. Chaque, c'est... Au moins, il fait chaud. À très fin. De bonne humeur. Ah bah voilà, elle a déjà plus besoin de repos, elle. Je cliquais, mais j'ai pas compris. Je comprends pas trop, moi. Attention, l'atelier, c'est pas l'établi. Nourriture cuisinée. Un repas cuit simple, plus nourrissant et savoureux que des aliments crus. Oh, c'est beau. Oh, 146 cadeaux. Oh, full cadeau. Ah bon, on va faire ça, là. On fait un grand truc, là, sur le... Comme ça, ça nous consomme un tchac. Vas-y, moi, je vais me reposer pendant ce temps. Elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ouais, elle, c'est l'amélioration. Heureusement que j'étais là au bon moment pour arrêter ce soldat. Ah, tu l'as flingué, quoi. Très fin. Alors mange. Ok, honnêtement, là, on est pas mal. Faut juste ressortir, quoi. Faut juste ressortir et... C'est Bruno qui doit faire la bouffe. Ouais, c'est Bruno qui fait la bouffe, hein. Je dirais pas non, un peu de rap. Il commence à être chiant, lui. Hein. Mythic Slayer. Putain, à l'ancienne. Merci pour le prime. Bruno le cuistot. Fait un moment que j'ai pas dormi. Bruno est à bout, là. Allez, Bruno, repose-toi. Oh, non, merde, putain. À chaque fois, je misclic. À fin, de bonne humeur, bah écoute, elle peut se poser tranquille, hein. Je pense qu'on est pas mal, là, hein. Je peux relancer, à la limite, un peu de... comme ça, ça sera fait. Je vais relancer un petit bail, ici, là. De craft. Comme ça, ça sera fait. Un fauteuil. Je pense que le fauteuil, ça fait la diff. C'est pas mal d'être dans une chaise. La bio des persos. Nous ne pouvons pas rester là, rien à faire. Nous devons trouver de la nourriture aussi vite que possible. C'est exactement ce qu'on fait. Je regrette pas d'avoir sauvé cette fille, comment les soldats peuvent-ils comporter de la sorte? Tu vois? Mes amis meurent de faim et pas moi, ce n'est pas juste. Ah ouais, d'accord. Pavel, il pense vraiment aux autres. Je dois manger quelque chose, je me sens si faible. Ah tu vois, lui, bon, ça, tu vois, on voit tout de suite la différence, quoi. La chaise fait mal au dos, je crois. Ah ouais. Ces imbéciles de militaires ne nous maltraitent pas. Mais hésite pas, Katia, hein, calache-les, hein. Katia, je sens que ça la vénère, donc... Vas-y, on va se faire un fauteuil, hein, du coup.
On va se faire un petit fauteuil. Le mec prend 3 balles, mais il donne son goûter. C'est plutôt sympa, hein. Et je pense que là, du coup, on aura bientôt assez d'eau. Ouais, voilà. C'est bien, on a un filtre de pluie, là. Mets des trucs en haut. Ouais, c'est juste pour pas qu'ils se déplacent partout, ça fait chier sinon. Utilisation inutile de ressources. Enfin, je me dis, c'est peut-être pas si mal qu'elle se pose dans un petit canapé. Hein. Honnêtement, qu'elle se pose dans un petit canapé, c'est peut-être pas si mal. Tu vois, de temps en temps, petit fauteuil, inutile. Si, comme ça, je peux charcuter la chaise. Et on récupère du bois. Et au moins, l'avantage, c'est qu'on a un fauteuil. Ah, la nuit. Ah. Afin de bonne humeur. Ah, il a encore des... Bon, alors, elle va monter la... Non. Ah, lui, il va monter la garde. Lui, il va dormir. Petit fauteuil, petite clope. Ouais, voilà, on les met bien. Et elle va collecter. Vous pensez qu'on collecte quoi? Elle tape dans le mauvais sens. Ça arrive, ça arrive. K12, merci pour le quatrième mois. Retourne au supermarché avec le pied de biche. J'ai pas de pied de biche. J'ai tout visité ici. Allô? Ah non, c'est juste que j'avais baissé le son en fait. Le supermarché, il y avait plus trop de bouffe. Hein. C'était la fin. Hein. Stop, essayez de monter l'atelier, mais go monter l'établi. Bah, c'est quoi l'établi? Gamrock, bien sûr, le 25e mois. C'est pas l'atelier, c'est pas le truc qu'on a au tout début? Sinon, je peux retourner au supermarché avec elle, mais je prends une pelle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense qu'il y a des trucs un peu chiants à débarrasser. Et je prends la calache. J'y vais en calache, hein. Et on fait le sous-sol du supermarché. Non, le couteau. Ah bon? Inutile, il n'y a plus personne là-bas. Ah, c'est vrai qu'ils peuvent pas revenir d'autres. Ah, c'est vrai qu'il y en a pas qui peuvent revenir. Moi, j'aime bien la calache maintenant. J'ai envie de jouer à la calache. Ok. Bah, tu vois, il y a un mec. Ne retournez pas tout seul, Dave, ce qu'il a essayé de faire. Heureusement, la fille est en sécurité à présent. Oh, bah. C'est moi. Tu vois, bah, il est là. Mais du coup, elle va me suivre. C'est moi qui l'ai buté, hein, si jamais tu peux m'aider. Calache défend le repère. Elle vit juste à côté, parfois elle m'aide avec mes courses. Bah, t'es pas chaude pour m'aider avec mes courses, là? Si je fais ça, tu vas mal le prendre? Ah bah non. On se sent très bien, en fait. Faut pas penser à ce qui serait arrivé. Ah bah voilà. Va la voir. Mais elle est pas là, en fait. Elle vit juste à côté. Ah, elle vit peut-être justement juste à côté. Ah, elle peut me filer plein de trucs. Si jamais elle... Fume là. Non, non, mais là, on va pas la tuer, là. Elle est épuisée et claquée. Mais ouais, l'autre, elle est en train de me dire que sa famille, elle doit vivre là-dedans. Je vole tout, par contre. Moi, je suis une grosse merde. Ils sont au sous-sol? Ah, merde. Ah, j'étais assez convaincu qu'elle allait être là. Mais jure. C'est incroyable ici, en fait. Mais pourquoi... Il y a trop de trucs, en fait. Il y a du poulet et tout. Ah, c'est-à-dire que c'est... C'est gros stuff, là. La bouffe. C'est quoi le plus important? C'est les poudres à canon ou les douilles d'armes à feu? Ça a pas l'air d'être fou, les douilles. Tabac de jardin, c'est vraiment de la merde. Bon, on prend un truc et de toute façon, on va au sous-sol. Vous stressez pas, on est bien. Hein. Là, à un moment, je sais pas pourquoi je vous ai senti stressé. Tout d'un coup, ça m'a fait un peu chier pour vous, voilà, pour tout vous dire. Alors, comment je vais au sous-sol? Ça va être comme ça, le sous-sol, là. Ah, j'avais même pas vu ça. Là, il doit y avoir des gens encore. Ça, c'est pas mal, ça. Hein. Là, si je peux refaire un piège à rat. Attends, je vais enlever avec la pioche.
Ne nous mettons pas dans les bâtons dans les roues. Vas-y, vas-y, pille en haut, toi. Pille en haut, je pille en bas. On fait chacun notre bail. Tiens, ouais, plutôt simple, je sais pas. Ah, je pensais qu'il allait avoir la meuf, là. Ah, il faut une autre serrure. Oh, quel bordel. Oh, fertilisant. Oh, je veux faire pousser des trucs. 100% je finis par faire pousser des trucs. Qu'est-ce que je tèche? Le tabac, on s'en fout, Michel. Hein. Il fumera pas. C'est pas bien grave. Il me fallait 5 pour faire un piège à rat, donc je vais devoir prendre ça. L'eau, on s'en bat les couilles. Ça, je suis obligé de prendre. Et les soupes, ça a l'air bien. Le bois, j'en ai beaucoup. L'eau, on s'en fout. Hein. Oh, c'est archi propre, là. Et il y a encore une porte à gauche. Oh là là, mais des petites pièces électriques là, cadeau. Oh là. Oh, il y a un ennemi. Oh non, il y a un ennemi. Ah non, c'est peut-être c'est la meuf du début. Il faut vraiment des pieds de biche. J'avoue que le pied de biche, il met bien. C'est quoi le mieux ingrédient pour médicaments ou médicaments à base de plantes? Tu vas pas avoir assez d'eau. Ouais, je sais pas ce que je tège. Médicaments à base de plantes. J'ai enlevé la douille, ouais. Les pièces méca, elles ont l'air bien parce que c'est pour faire le petit... Je pense qu'on est bon, là. Le bois, il vaut zéro le coup. Ah, c'est la folle encore qui est là, là. Eau supérieure au bois. Bah attends, du coup, parce que si on a encore du loot, il doit y avoir des nouveaux trucs à nouveau, là. Parce qu'ils l'ont remis à jour, le supermarché, quoi. Je sais pas qui est passé, mais apparemment... Ah non, c'est peut-être ce que j'avais laissé. Il te faut l'établi... L'atelier ou l'établi pour te craft des armes. Mais mec... Pas besoin d'armes, je suis l'arme. Tu reviendras demain. Bah là, en vrai, j'aimerais bien pas trop revenir, quoi. Au bout d'un moment, commence à avoir fait un peu le tour, quoi. Comment il a trouvé la calage? J'ai tué un mec. Justement ici, qui était en train de violer quelqu'un. Donc du coup, pour tout le monde, c'est normal, ça qui est bien. On a tué juste gratos quelqu'un. Personne s'en veut. On a fait quelqu'un, quelqu'un nous en doit une. C'est genre incroyable. Boum. Ça, ça va nous servir. Non, non, là, je pense qu'on reviendra pas au supermarché, hein, y a que de la merde. Noamzer, merci beaucoup pour le Prime. Et vous préférez de l'eau à... Ouais, mais l'eau, je suis obligé de tout refaire, quoi. Faudra te craft un nouveau sac. Mais je sais pas où c'est, ça. On m'a pas dit, ça. En vrai, j'ai le temps, je peux faire tout le tour. Parce que j'avais pas check un truc, là-haut. Faut parler à la meuf. Je peux pas craft de sac, tu vois, c'est... Ah, ça tire. Chaque fois que je vais là-haut, ça tire. Je pense que c'est juste l'ambiance globale. Là, y a rien non plus. Je crois que lui, je l'ai pas fait. Non, c'est lui que j'ai pas fait. Donc, y a peut-être des trucs de ouf. Oh, ça serait propre, un truc genre très propre. Je sais pas quoi. Juste une petite douceur. Un petit truc kiffant. Sans garde, merci pour le 40. 46 mois. Putain. Ah, c'est que des trucs, j'aurais pu prendre full boulon en vrai. Ouais, on va se barrer là. En fait, je me demande parce que c'est moi qui avais laissé des merdes aussi et. Bon, voilà, un peu d'eau, tu vois. Ça nous fera pas de mal, mais bon. Elle doit se faire ravager. Hein. L'eau nous permet de faire un peu de soupe gratos, quoi. Voilà, c'est pas mal. Bon, 4 eaux, honnêtement, dans l'ensemble, on est bien. Elle me dit quoi, elle, du coup? On parle plus? Ne faites pas attention à moi, d'accord. On est sur quelque chose d'assez louche, du coup. Tout se passait si bien. Et d'un coup...